bien, on va aller dans le vif du sujet, n'est-ce pas? Les abductions qu'on avait envie de parler tout à l'heure. Donc moi, oui, j'ai changé un mail, hein, mais je ne l'ai pas raconté la dernière fois avec les Italiennes. En plus, c'était en même temps que toi, vu que tu m'as renvoyé des mails avec des synchronicités assez dingues de... d'indices. Synchronicités et différentes quand même. Voilà, à la fois sur la sexualité et à la fois sur les abductions. Mm-hmm. Sur le passé et le futur. Mm-hmm. Et en fait, ce qui se passe pour moi, et ce que je disais tout à l'heure, c'est la prise de conscience que ouais, ça m'arrive même à moi, ce que j'imaginais pas du tout. Parce que j'ai jamais ressenti dans mon corps et j'ai jamais eu de preuve entre guillemets. Mais en fait, vu que ma conscience elle s'ouvre et que le prédateur j'arrive à le capter plus, en tout cas, et que dans mes rêves il se passe des choses différentes, je commence à arriver à différencier des réalités qui seraient peut-être tangibles, quoi. Et notamment par rapport aux sensations de mon corps. Donc en fait, quelque chose qui s'est passé qui était très fort pour moi, qui m'a mis assez mal quand même, c'est une nuit où je sentais, je pensais que c'était David, qui venait me caresser, quoi. Voilà. Et en fait, en me réveillant, enfin au milieu de la nuit, je me retourne puis je me dis, mais non. J'étais sûre que c'était David, mais quand j'étais lucide, je me disais, mais non, c'est sûr, c'était pas David, quoi. Enfin, bon, puis, ouais. C'était pas le cas. Et, bon, ça va un peu dans l'intimité, mais voilà, ça fait partie du jeu aussi de raconter ça. En fait, c'est dans cette même nuit, j'ai senti comme s'il y avait quelque chose qui voulait s'introduire dans mon vagin. Et comme une... En fait, après coup, ce que je peux voir de plus objectif, c'est comme une sonde, quoi. Et comme si j'étais empâtée dans mon sommeil, enfin, j'arrivais pas à réagir, en fait. Donc, quelque part, j'étais obligée d'accepter, entre guillemets. Et donc, je me suis réveillée avec ces impressions bizarres que, dans un premier temps, je me dis, ouais, j'ai rêvé de trucs bizarres, mais quand même, j'ai... essayer d'esquiver quelque chose qui voulait rentrer, quoi. Et puis quand je suis allée aux toilettes le matin, mais c'est vraiment là où j'ai fait tilt, c'est qu'en fait je serrais les jambes, j'avais très très peur d'une intrusion, c'était j'étais très très mal en fait. Et là j'ai commencé à me dire, ouais, avec tout ce que j'ai entendu parler des abductions, là il y a quelque chose qui se passe pour moi, parce que je suis au courant, quoi, des abductions qui ont justement un but de reproduction, donc avec des terriens, enfin qui est une hybridation que les femmes sont utilisées dans leur sommeil, voilà, qu'on leur enlève le souvenir de ce qui se passe et tout. Donc là mon corps il me disait qu'il y avait quelque chose qui se passait, et mes rêves aussi, quoi. Et un peu plus récemment, là, il y a quelques nuits, en fait, j'étais dans un rêve et je racontais à quelqu'un ma frayeur d'être toute seule dans une chambre enfermée, et d'avoir, donc c'était chez moi, je racontais, j'étais chez moi, et je sais que j'avais deux lumières allumées, et en fait, je sentais une angoisse qui montait, et il y a une lumière qui s'est éteinte. Et du coup j'allais pour être sûre que l'autre elle s'éteigne pas, et la deuxième en fait elle s'éteint, quoi. Et je racontais à cette personne que là j'étais sûre qu'il y avait une présence qui était venue et que c'était une abduction, que c'était clair, quoi. Donc dans mon rêve je racontais ça, enfin c'est... Voilà, donc ça me fait un peu quelque chose de raconter ça, parce que je sais que c'est pas anodin, et que même si c'est des choses que j'aurais pu me juger de fabuler par rapport à ça, par rapport à des choses que j'ai entendues, en fait... De te raconter des histoires. Voilà. Mes peurs du viol, que j'arrête pas de traverser, je sais maintenant qu'il y a aussi une dimension multidimensionnelle. C'est pas que ce qui aurait pu se passer dans cette vie-là ou ce qui aurait pu se passer dans d'autres vies, donc des mémoires karmiques. Il y a aussi
ce phénomène abduction qui se rajoute à tout ça, quoi. Donc de la 4D à la 3D. Voilà, c'est ça. Mmh. Ouais. Et voilà, enfin, il y a eu plein de liens qui me reviendront là quand on va parler, mais. Ouais. Voilà. Il y a un lien entre les deux. En fait, c'est-à-dire que, effectivement, bon, parce que je crois qu'il y a un gros sujet là. Quand, en fait, c'est le même principe, on peut se libérer de ces choses-là. Tu comprends de, en fait, on ne peut pas se libérer de l'abduction, mais de la conscience qu'on a de ces abductions. Oui, et la vision qu'on porte dessus. Exactement, la vision qu'on porte dessus, parce que, comment dire, les croyances populaires ou les croyances qui commencent à se répandre maintenant, bon, on le sait, au moins une personne sur deux a vécu au moins une ou plusieurs abductions, si tu veux. Mm. Une personne sur deux sur Terre. Hein. Mm, mm. Ouais, c'est-à-dire que c'est plus de la moitié des 7 milliards. Ça fait presque 4 milliards d'habitants. Mm. Disons. Donc ça fait une personne sur deux quand on les rencontre. Ça veut bien dire qu'il y a un phénomène qui se produit actuellement et qui est en train de changer. Parce que les abductions ne sont pas toujours faites par les SDS. Tu comprends? Mm. Certaines abductions sont réalisées par les SDA. Mais il y a quand même une différence à voir avec les SDA et les SDS. Ils ne le font pas pour la même raison. Ils ne le font pas de la même manière. Oui, tu racontais l'expérience qui t'était arrivée de laser dans l'œil. Oui, ok. Ça, ok. Maintenant, il faut bien comprendre que l'abduction, même si c'est pas par les SDS, enfin, si c'est les SDS ou les SDA, il y a des buts ou des technologies qui sont utilisées de la même manière par les deux. Mais ces technologies ne sont pas forcément utilisées pour les mêmes dessins ou pour les mêmes buts, tu comprends? Ben, en fait, ce que j'ai du mal à comprendre dans ce que tu dis, c'est comment d'une réalité SDA, ouais, ils peuvent prendre l'initiative d'aller intervenir physiquement avec... Ils pas l'initiative. Donc c'est nous dans le futur. C'est nous qui donnons le raccord. Ok. Mm. Enfin, futur, enfin, sur notre espace. Sur notre temporel. Ouais. Ouais. C'est nous qui avons donné le... comment dire, l'accord à ces êtres-là de nous faire des expériences pendant qu'on est incarné. Mm. Donc c'est un accord. Mm. Mais avec SDA. Les SDS font la même chose sans notre accord. Ou un accord comme ça, oui, voilà. Parce qu'un accord consentisse. Voilà. Voilà. C'est un faux consentement. Ouais. Mm. Et donc là, il y a toute la problématique. Parce que quand les gens qui font comme Giraud ou Rachel Fourtin, ils ne font pas la différence entre les SDS et les SDA. Et justement, Rachel, dans l'un des reportages qu'on avait vu, elle dit, en fait, à celui qui est hypnotisé, qu'il doit prendre conscience de, comment dire, qu'il a vécu cette abduction, et que jamais il ne veut plus participer. En fait, Rachel lui dit de se libérer de ça. Oui, de ne plus jamais participer à ça, donc voilà. De le formuler pour que ça, voilà, n'arrive plus. Et donc, en fait, dans la vidéo, elle raconte que, je crois que c'est le gars qui s'est fait hypnotiser, je ne sais pas, elle raconte qu'en fait, qu'il a vu les reptiliens qui étaient déçus. Mm-hmm. En fait, les reptiliens, donc les gens qui faisaient les abductions, ils étaient déçus par son refus actuel. Mm-hmm. Donc, son refus dans son corps. Donc, actuellement, il refuse d'être abduqué. Pourtant, dans son passé, à l'ONI, entre parenthèses, il a donné l'autorisation. Mm-hmm. Parce que le problème, il ne sait pas aujourd'hui qui c'est qui l'a abduqué. Comment? Aujourd'hui, il pense que ce sont les reptiliens qui l'ont abduqué, enfin, des entités négatives sur eux. Mais en réalité, c'est pas forcément les reptiliens qui le font. Parce que si tu regardes bien, je prends mon cas, à l'époque, donc j'habitais en Alsace, il y a une Namasutum qui est rentrée dans ma chambre. Et comment je sais que c'est une Namasutum? Parce qu'il n'y avait aucune charge émotionnelle négative, en fait, qui émanait de moi. Tu vois, j'avais pas peur. Mmh. Donc, oui. Forcément, il n'y avait pas de miroir à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est une Namasutum. Et effectivement, il était bizarre. C'est la première fois que je voyais une Namasutum. Mmh. Donc, un être reptilien. Ou... Ouais, ça a une tête de reptilien, ça a un corps de reptilien, mais il n'y a pas la vibration. Mmh. Bon, mais t'as reconnu une autre vibration, t'as reconnu autre chose. Je... À ce moment-là, j'ai pas reconnu la vibration. Ah, il serait présenté pour que j'apprenne à la connaître. Pour qu'il y ait un contact. Pour qu'il y ait un premier contact. Mais pour toi, c'est normal que t'aies pas eu peur? Mais attends, c'est le problème. On peut pas le savoir au moment que ça arrive, on peut le savoir après. En fait, en faisant l'expérience de l'abduction, ouais, on peut comprendre par qui on était abduqué. Tu comprends?
Ça veut dire... Oui, on réfléchit. Bon, après, il y a l'analyse et tout ça qui vient. Mais sur le moment, soit tu as peur, soit tu n'as pas peur. Ok. Mais tu sais pas qui... Même si, à ce moment, je n'avais pas peur. Mais à l'époque, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mmh. Je n'avais pas peur. Mais en fait, on pourrait aussi dire... Mais tu ne savais pas à qui tu avais affaire non plus. Hein. Je ne savais pas. Mais en fait, on peut aussi dire que je n'avais pas conscience de ce qui se joue. Ça peut être la fois. Donc, je suis surpris. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ce truc, tu vois? Oui, non, mais c'est vrai qu'on peut ne pas avoir peur et être quand même en danger. Voilà, on ne sait pas. Oui, plutôt quand on est surpris... On ne sait pas. Il faut bien souligner que tu n'étais pas dans un état d'hypnose. Enfin, non, Tu étais dans un moment où, de lucidité. De lucidité. Ouais, exactement. En fait, c'est le même moment. Tu avais tout ton esprit, quoi. Ça correspond au même état. Je ne sais pas comment on appelle cette phase de intermédiaire entre le sommeil et la réalité. Oui, où on que les gens atteignent pendant un état d'hypnose. Mmh. Tu vois, c'est le même état. Mmh. Mais je ne l'ai pas vécu sous hypnose. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas. Il y avait personne qui me guidait à voir ce que je devais voir. En fait, j'ai vu ce que je pouvais voir à l'époque. Mm-hmm. Donc, je voyais Namasatum. Donc, je n'étais pas influencé par quelqu'un. Tu n'étais pas modulé par tes croyances, quoi. Je n'avais pas, pas ça. Oui, c'est ça. Mais surtout, je n'étais pas modulé par les croyances de quelqu'un qui me disait de quoi voir. Ouais. Tu comprends? Mm-hmm. Quelqu'un qui se fait hypnotiser, on lui dit, est-ce que tu vois les tes êtres? En fait, la description correspond forcément à reptilien, puisque la première fois qu'on se fait hypnotiser, on contacte les êtres reptiliens. Donc, à l'époque, j'étais déjà dans cette conscience de sentir que je n'avais pas peur. Et j'avais compris qu'en fait, la fréquence vibratoire qui se ressent, cette fréquence vibratoire qui était devant moi, ou en fait, cet être qui émanait de cet être, il ne me donnait pas peur. Il n'y avait pas de peur qui montait. Ouais. Donc ça veut dire que dans ma psyché, il s'est produit quelque chose qui dit tu peux avoir confiance. Oui. Donc mais, c'est tout. Ouais. À l'époque, c'est tout. Oui, c'est comme ça que tu as vécu, mais tu sais bien qu'il y a des entités qui peuvent être négatives avec, on va dire, une intention négative et qui prennent l'apparence de la Vierge. C'est pour ça qu'il y a la différence. Ouais. Effectivement. Donc, il faut bien comprendre que quand il y a différentes étapes dans les trucs, c'est-à-dire qu'au moment où c'est arrivé, je ne pouvais pas comprendre. Bien sûr. Je peux seulement le comprendre après avoir fait d'autres expériences. Oui, c'est ton cheminement qui fait que maintenant tu sais à qui tu avais affaire. Oui. Donc, en fait, après, j'ai vécu d'autres abductions et en fait, ça se réalise encore aujourd'hui. Dernièrement. Oui. En fait, ces autres abductions. Ils n'étaient pas aussi, ils n'étaient pas neutres, tu vois. C'est, en fait, j'avais senti quelque chose. Même si je n'ai pas la conscience de que ce soit négatif ou positif, ça dépend. L'abduction a eu lieu. Mais c'est notre façon de voir les choses, notre conscience qu'on pose sur le moment de l'abduction qui fait qu'on en a peur ou pas. Mmh. Oui, si tu es terrorisé au moment où tu te fais abducter, tu reviens avec cette terreur. Donc tu reprends l'histoire des enfants qui se font abducter, ils ne savent pas. Ils hurlent, c'était arrivé toi, en fait, quand quelqu'un rentre dans la chambre, et hurle de peur. Il hurle de peur. Donc il hurle de peur, en fait, ça veut dire que il y a des décharges d'adrénaline, il y a des trucs hormonaux qui remontent, etc. En fait, ces trucs hormonaux nourrissent les prédateurs. Donc ces choses-là sont faites pour nourrir le prédateur. Donc à partir du moment qu'il y a une peur qui monte, en fait le système hormonal se met en route. Mm-hmm. Ça crée des fréquences vibratoires qui nourrissent le prédateur. Mm-hmm. Donc je reviens à l'histoire de l'Amasutum. Aujourd'hui je sais que c'est une Amasutum, mais à l'époque je ne savais pas. Mm-hmm. Je savais que c'était un être. Point. Aujourd'hui je sais que c'est une Amasutum parce que j'ai vécu plusieurs fois des addictions différentes, à des étapes différentes ou à des modes opératoires différents. Mm-hmm. Donc je sais que tel et tel genre d'abduction fait partie du monde de ce monde-là. D'autres abductions, ça fait partie d'un autre monde. Tu vois, en fait, il y a même plusieurs trucs. Hein. Mm-hmm. Il n'y a pas que le reptilien. Il y a différentes dimensions qui interagissent dans notre vie d'aujourd'hui. Tu vois. Et qui choisissent un mode d'abduction qui choisit X ou Y pour rentrer en contact. Voilà. Mais il faut aussi comprendre pourquoi ils font les abductions. Pourquoi ils choisissent certaines personnes, ils ne choisissent pas d'autres personnes. Bon, en fait, il y a tout un processus derrière. Et donc,
Corrado Malanga, il a déterminé, comment dire, une méthodologie pour comprendre un petit peu. Mm-hmm. Sa méthodologie, il est assez juste. Avec le questionnaire. Oui, le questionnaire. Voilà. Ouais, ouais. Donc, en fait, il y a d'autres choses encore à voir, parce que lui, il ne sait pas, enfin, il a, à mon avis, il ne sait pas parce qu'il n'en a jamais parlé. Il ne sait pas qu'il y a deux mondes. Il y a le monde SDS et le monde SDA. Mm-hmm. En fait, tous les gens qui se font abduquer, ils mettent automatiquement, comment dire, leur conscience sur le monde SDS. Oui, c'est horrible, ils pensent toujours que c'est... Oui, c'est négatif. Ce sont toujours des reptiliens qui font les abductions. Ou alors, quelquefois, quand même, il y a le côté, mais c'est l'autre extrême un peu, c'est le côté New Age, on part dans le vaisseau. Ah oui, ça, mais c'est, là, c'est pas une abduction. Oui, voilà, avec... ouais, bah, c'est relativement proche, c'est finalement une adduction déguisée, quoi. Oui, de toute façon, c'est à la limite, c'est le mode luciférien, celle-là, si tu veux. L'abduction qui fait peur ou qui laisse des séquelles, c'est le mode démoniaque. Mm-hmm. Bon, symboliquement. Oui, ok. C'est-à-dire que, en fait, là, les démons, entre guillemets, les êtres de quatrième dimension SDS, ils font des abductions pour une certaine raison. De l'autre côté, il y a des êtres de cinquième dimension SDA qui font des abductions pour d'autres raisons. Mmh. Il faut bien comprendre que les SDS interviennent sur Terre pour leurs propres besoins. Ouais, pour, en fait, pour créer leurs propres des hybrides pour eux. Pour leur propre continuité. Pour leur survie. Pour leur survie. Je vais mettre là. Les SDA, ils font pas ça. Mais ils font quand même des abductions. Les SDA, ils sont pas là pour leur propre survie, parce qu'eux, ils survivent dans une autre dimension. Mm-hmm. Cette autre dimension, les SDS ne sont pas arrivés à y arriver, si tu veux. Mm-hmm. Donc il y a les dimensions SDS et les dimensions SDA. Les dimensions supérieures, les dimensions SDA sont supérieures aux dimensions mm-hmm. SDS. Donc c'est mm-hmm. des états de conscience supérieurs. Mm-hmm. Mais ce sont des scientifiques quand même. Donc SDS, c'est scientifique, mais SDA, quand même, c'est scientifique aussi, mais pour une autre raison. Mm-hmm. Tu comprends? Donc il faut bien comprendre que ceux qui font des abductions SDS, ce sont des abductions qui marquent les gens dans leur subconscient, dans leur inconscient, ils sont toujours marqués par une fréquence vibratoire de peur, ou de rejet, ou de quelque chose. Ceux qui sont abductés par les SDA, ils n'en prennent pratiquement jamais conscience. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens qui sont abductés de façon SDS commencent à avoir conscience de ça? Parce que pourquoi les SDS ne les endorment pas entièrement? Pourquoi les SDA n'ont jamais conscience d'une abduction? Il y a une différence entre les deux. Mm-hmm. On sait bien que les SDA n'interviennent jamais dans le libre arbitre humain. Les SDS, ils le font. Et ils le font, en fait, pour influencer l'humanité. Pour laisser justement des traces. Donc, en fait, les SDS... Si on prend, je ne sais plus comment ça s'appelle, on l'appelait le renard. En fait, c'est un gars qui... c'est le cas de beaucoup de gens qui ont été abductés par les SDS, qui croient avoir rencontré des êtres de lumière. Oui. Ou des gens qui viennent dans leur chambre, en fait, qui s'installent à la table à cuisine. En fait, ils discutent comme ça. Tout ça, ce sont des... Comment ça s'appelle? La cour en miracle. Comment ça s'appelle? C'est un truc comme ça, ouais. Bon, ok. Mais en fait, les gens qui viennent ici, par exemple, comme ici, ils viennent dans l'installation de chaises, c'est forcément des SDS. Parce qu'ils interviennent dans le libre arbitre de l'homme. Celui qui est en face, tu rencontres un être comme ça, c'est l'extérieur qui manifeste quelque chose. Donc, celui qui, on suppose c'est un ange, un être de lumière, n'importe quoi, même un mec qui s'assoit devant toi, qui se présente, je suis tel et tel, je viens pour te donner un coup de main, aider l'humanité, tout ce que tu veux, c'est SDS, forcément. Mm-hmm. Bon. Donc, tous les gens qui... Oui, parce que c'est une intrusion. Qui vivent ce genre de manifestation extra-dimensionnelle, c'est une intrusion dans leur vie privée. Mm-hmm. Donc, forcément, c'est SDS. Les SDA ne font jamais ça. Mm-hmm. Jamais. Pourquoi? La seule manière de pouvoir aider l'humanité à évoluer, ça passe uniquement par la génétique. Par l'ADN, si tu veux, par la génétique. Ils ont trouvé le moyen, donc les SDA, ils ont trouvé le moyen de permettre, de délivrer l'humanité du monde SDS en envoyant des gens qui sont préparés, qui se sont déjà préparés dans d'autres vies,
formule, qui a fait un chemin, pour les envoyer de nouveau sur Terre, pour qu'ils continuent à travailler sur leur ADN, tout simplement. Donc ils continuent à activer les fréquences, comment dire, les brins d'ADN... Les uns des autres. Oui, oui, mais comment ça s'appelle? Pour les développer, des abgales. En fait, des êtres Sirius. Parce qu'en fait, de la lignée christique, entre guillemets, hein. En fait, ce sont des gens qui sont préparés, qui sont déjà préparés. Quand le Kyrestos, quoi. Qui ont des vies qui ont cette fréquence Kyrestos. En fait, cette fréquence Kyrestos permet tout simplement de. Comment dire, d'enlever tout doucement l'énergie reptilienne. En fait, il supplante l'énergie reptilienne. Et en fait, c'est en supplantant l'énergie reptilienne, donc l'énergie christique, ça veut dire qu'ils sont là pour accepter, pour les accepter, la fréquence SDA. On ne peut pas devenir un Christ, entre guillemets, si on n'accepte pas notre expérience SDA. SDS. Donc le Christ, on ne peut pas devenir un Christ si on n'accepte pas notre fréquence SDS. Notre propre démon, quoi. Notre propre démon. Donc en fait, ce sont des différents niveaux de lecture. Et ses manifestations. Et toutes ces choses-là, voilà. Donc, les SDA, ils ont préparé certains humains sur Terre à intégrer, à développer cet ADN. C'est juste dans l'ADN, parce que l'ADN, c'est le seul moyen de faire, intervenir notre libre arbitre. On peut dire oui ou non. Tu veux pas activer cet ADN, tu fais non et tu rejoins le clan SDS. C'est ça, en fait, ils te délivrent l'information et après, à toi de faire. Voilà. Ou tu ouvres, il te donne le livre, ou tu l'ouvres, ou tu l'ouvres pas. En fait, c'est comme si tu te donnes la pilule rouge, pilule bleue. C'est à toi de choisir. Ouais. Tu comprends? Les SDA, ils font ça. Ils te donnent la pilule rouge ou la pilule bleue. En fait, la pilule noire. Si tu choisis la rouge, ils t'aident. C'est-à-dire qu'ils t'aident, ils te font des abductions sur toi pour changer les choses dans ton génétique, dans ta génétique. Ouais. Tu comprends? Si tu choisis la pilule bleue, c'est les SDS qui t'enlèvent. Et eux, ils te proposent que la pilule bleue. En fait, ils proposent tout le temps la pilule bleue. Donc, ils proposent tout le temps de dormir. Maintenant, qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui arrive? Les SDS, ils remarquent que l'humanité, malgré toutes les manipulations qu'ils ont faites sur eux, ils commencent à se réveiller. Il y a des choses qui commencent à bouger. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a loupé, quoi, dans leur dimension? Ils sont à la recherche d'indices pour comprendre ce qu'ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas compris. En fait, ils sont toujours en train d'essayer de comprendre à l'extérieur de... Tu comprends? À l'extérieur, en fait, c'est-à-dire qu'ils essayent de contrôler, de faire des biopsies ou n'importe quoi pour comprendre ce qui cloche dans leur programme. À la même échelle que nous, ce qu'on fait sur Terre, tous les chercheurs en labo qui dissèquent les souris et pour comprendre... Ils font la même chose. Donc, t'as eu qu'une abduction. Pourquoi? Parce que, en fait, tu es sur un cheminement, SDA, par exemple. On sait très bien qu'on n'y est pas, mais on est sur un cheminement. C'est-à-dire que notre conscience, elle s'oriente vers la SDA. Tu as fait la même chose, donc tu peux aussi rajouter après, et tu fais la même chose. Et moi aussi, je fais la même chose. Donc, en fait, les SDA, ils nous abduquent pour comprendre ce qui se passe. Ah oui. Tu comprends? Oui, parce que... Ils regardent, en fait, et ils veulent voir dans notre génétique ce qui se passe. Et notre génétique, en fait, elle débute dans l'ovule, dans les spermatozoïdes, c'était là. Tu comprends? C'est là qu'il y a la clé, en fait. Tu comprends? Bien sûr que c'est dans nos cellules, mais eux, ils cherchent à ce moment-là. Ils cherchent dans cette sphère. C'est-à-dire au moment de l'accouplement. Parce qu'en fait, effectivement, il y a l'alchimie entre l'homme et la femme que eux, ils ne comprennent pas. Tu vois, un gris, il ne comprend pas qu'il y a des hommes et des femmes sur Terre. Et on ne sait pourquoi. Parce qu'en fait... On précise. Ils ne comprennent pas les différences de sexe. Oui. Donc la complémentarité, l'attraction... Ils ne savent pas exactement. Donc ils cherchent ce que c'est. Ils savent que ça existe, mais ils ne savent pas différencier une femme d'un homme. Les gris. Ou les reptiliens. Enfin, les reptiliens, si. Mais les gris, dans le futur, ils ne savent pas. Anatomiquement, oui. Mais après, dans le fonctionnel. Et même anatomique... Énergétiquement, non. Mais même dans l'anatomie, non. Pourquoi? Il le dit bien, Malanga. C'est-à-dire qu'il découvre des gens le matin qui se lèvent dans le lit,
qui ont le pyjama de quelqu'un d'autre ou de leur compagne. Oui. Hein, voilà. Ou alors qu'on dormait avec un pyjama où ils se réveillent une nuit. Il dit bien qu'en fait pour eux il n'y a pas de conception d'habit, donc en fait remettre un habit pour eux ils ne savent pas faire quoi. Donc forcément ils ne savent même pas la différence entre un habit, donc même pas la différence entre un homme et une femme. Et en fait c'est revenir à des trucs de base comme ça qui peuvent nous paraître complètement débiles, mais en fait qui sont bien réels quoi. Voilà. Pour d'autres civilisations qui... Ouais, parce qu'ils n'ont pas ce concept. Ouais. Pour nous, c'est un concept de dualité, l'homme et la femme. C'est un concept duel. Mmh. Ils n'ont pas ça. Ouais. Ils ne comprennent pas. Oui, donc, comme en fait, nous, on ne comprendrait pas l'androgyna. Par exemple, voilà. Ouais. Tu vois, parce qu'en fait, donc, ils ont aussi des polarités. C'est normal qu'ils viennent faire des expériences sur nous, parce qu'ils cherchent à comprendre, tout simplement. Mmh. Comme nous, si on était scientifique et qu'on... Et qu'on a un élevage de vaches et qu'il y en a une qui est bizarre. Non, mais c'est vrai. Moi, je comprends bien qu'en fait, là-dedans, il n'y a pas de dualité à avoir. Mm-hmm. Parce que la dualité, elle est simplement par tout ce qui est médiatisé, où on nous insuffle les pensées qu'on doit avoir. Oui, les conceptions. Alors que moi, je vois ce que j'ai vécu ces derniers temps. Ben, je suis ni en rejet, rien. J'observe ce que je vis dans mon corps. Mm-hmm. J'observe la manipulation psychique et toutes les astuces, les ruses qu'ils pourraient avoir pour justement obtenir ce qu'ils veulent. Parce qu'ils peuvent très bien passer avec une apparence de quelqu'un qu'on connaît. Même de lors d'un rêve, exactement, bien sûr. Mais la chose aujourd'hui que je me rends compte, c'est que ces écrans psychiques, ils n'arrivent pas à être maintenus. Mm-hmm. Parce qu'au plus on travaille sur notre conscience, au plus on arrive à déchirer le voile. Hein. Mais le voile, il se déchire et c'est comme si c'était un truc élastique. En fonction de notre état de conscience. Voilà. Et effectivement, moi, quand je me suis réveillée, là, j'ai vécu des choses très très fortes. Et d'ailleurs, je ne peux même pas être contre ça. À la limite, je me sens dans une expérience. Mm-hmm. Et je me dis, écoute, si ça fait évoluer leur conscience, pourquoi je vais m'opposer à l'évolution de la vie? Mm-hmm. Donc, au lieu d'aller dans la peur, j'ai vu des choses, ça m'a dégoûtée ce que j'ai vu. Quand d'un coup tu crois que tu avais quelqu'un dans un lit et moi toujours ma hantise c'était la peur de tomber enceinte, mais ça c'est la réalité hein, dans la 3D hein. Je veux dire, dès mes premiers rapports sexuels j'étais hantée d'être enceinte. En prenant la pilule, j'ai oublié une fois la pilule, même en étant célibataire, presque j'allais faire un test pour savoir si j'étais pas enceinte. Sous-jacent, j'avais bien ce programme qui me montrait que j'avais vécu des choses. Et ces choses-là, aujourd'hui, je peux dire que merci, entre guillemets, à ces abductions que je vis, parce que aujourd'hui, je mets plus de conscience et ça me permet vraiment de conscientiser ce que j'ai vécu depuis mon enfance. Mmh. Et cette chose-là, ça fait quelque temps que j'en ai conscience, mais il y a une part de moi qui était dans le déni de cette réalité. C'est-à-dire que je sais, à travers, d'ailleurs on en a écrit dans mon dialogue, des expériences où j'ai vu un petit être cristallin, où il y a eu des échanges télépathiques, ok. Donc ça, pour moi, c'est sur un autre plan que ça se passe, mais pour moi c'est un vécu, parce que quand j'y suis quoi. Oui, oui. C'est pas genre, attends, j'ai fait un rêve, non. Des fois je me réveille, je suis encore dans le même état émotionnel que dans ce moment qu'on pourrait qualifier de rêve. Et donc aujourd'hui, c'est moi le rapprochement aussi que j'avais envie de faire, c'est par rapport à ce qui se passe dans la vie de troisième dimension et les abductions. Si j'ai peur de ces abductions, j'en ai honte. C'est tabou. Quelqu'un qui est abducté... C'est touché à la sexualité, donc ça a raison de plus d'être tabou. Exactement. Mais si j'additionne toutes les expériences que j'ai vécues depuis enfant, aujourd'hui, je peux affirmer que oui, j'étais abductée. Et puis là, il m'est arrivé encore un truc hyper précis. Où justement je me retrouvais dans un lit et à quelques jours... Dans un rêve ou... Dans un rêve, ouais. Dans un rêve. Donc il y a eu deux rêves consécutifs, je ne vais pas étaler le rêve, mais juste pour dire que dans le premier rêve, on m'incitait à me faire monter le désir pour que je puisse m'accoupler avec un homme. Donc
C'est-à-dire, on essaye de me tenter pour que je consente à un rapport sexuel avec un homme. Mm-hmm. Et souvent, je me retrouve, ben, à la fois, je sens que j'ai tout le corps en éveil qui réclame cet appel, cette alchimie avec l'autre. Mm-hmm. Et de l'autre côté, toujours ce truc, ah mais je ne veux pas être enceinte, hein, je ne veux pas être enceinte, et ça ne me lâche pas. Ouais, ouais, ouais. Un indice. Et là, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours en arrière, j'ai à nouveau fait un rêve, toujours pareil, avec un désir sexuel charnel, où là encore, on m'incite à avoir un accouplement. En fait, on fait monter mon énergie sexuelle pour que je consente. Mmh. Ben oui, parce que si le désir du corps est plus fort que la raison, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont connu ça dans la version 3D, moi en tout cas j'ai connu ça, à un moment donné, t'as tellement envie que la raison, elle est complètement déviée, quoi. Mmh, mmh. Tu pars dans la pulsion, ouais. Donc tu es complètement déraisonné, tu es dans la pulsion, parce que ton corps, il a un tel taux d'hormones en élévation. Mmh. Il faut libérer. Il faut réguler. Exactement. Ouais. Et qu'est-ce qui régule ? Eh bien, l'attraction, l'acte. Quoi, l'acte. Ouais. Hein. Ouais. Voilà. Et donc, c'est exactement ce que je vis dans mes rêves. Mais à ce moment-là, là, on me montrait un accouplement. Et moi, j'étais là, mais je n'avais pas de notion de c'est bien, c'est mal. Je voyais. Par contre, on me montrait des gens que je connaissais. Et comme par hasard, ces gens que je voyais, ben, d'un coup, c'est comme si... Je les vois et hop, je vois une autre image, je vois quelqu'un d'autre. Mmh. Et là, je comprends parce que dans mon rêve même, j'ai la conscience de ce qui se passe. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que tu es en train de vivre dans mon propre rêve. T'avais conscience que tu rêvais, quoi. Dans mon propre rêve. J'entends, tiens, comment ça se fait que tu vois une personne qui apparaît avec une telle forme et que tu connais et que là, d'un coup, c'est pas le même faciès que tu vois. Mmh. Et donc... on essaye, entre guillemets, de me faire participer. Et à un moment donné, je me retrouve en sandwich entre ces deux êtres. Je ne sais pas ce qui se passe, mais à la fois, mon corps, il est en désir. Et moi, je suis là, mais en toute conscience. Quoi. Mais qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et toujours cette obsession, je ne veux pas être enceinte, quoi. Ça, c'est vraiment le truc. Je veux, tu sais, genre, faites tout ce qu'on voulait, mais... Mettez des capotes, les gars. C'est ça, s'il vous plaît. Me mettez pas en cloque. Et donc, là, d'un coup, je ne sais pas ce qui se passe. Je me retrouve, mais pourtant, ce n'était pas moi qui était visée. Ce que je savais, c'est qu'on voulait me faire monter le désir. Tu mais à un moment donné... C'était une expérience encore, quoi. Oui, 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 mais clairement. Clairement. Et à un moment, je me retrouve entre cette femme et cet homme, en sandwich, et lui, il voulait... pénétrer la femme. Et d'un coup, il se retrouve face à toi. C'est moi qui ai senti. Mmh. Et là, c'est clair, là, j'ai l'information que, alerte, alerte, là, c'était vraiment une partie de moi qui me disait, prends conscience de ce qui se passe. Mmh. En fait, c'est que, quand il y a eu cette pénétration, déjà, je me suis rappelée, mais au sein de mon rêve, je me suis rappelé que j'ai déjà vécu ça. J'ai eu exactement ce même ressenti que je déteste. Donc dans la vie... hyper 3D. Désagréable. Mmh. Non, j'ai jamais vécu ça en 3D. Non, mais que tu dis, je me souviens d'avoir déjà vécu ça. C'est pour savoir dans quel contexte. Oui, pardon. Tu fais bien de poser la question parce que c'est tellement multidimensionnel. En fait, dans mon rêve, j'ai réalisé que j'avais déjà connu cette sensation de mon vivant. Mais pas dans la 3D. Et c'est ça que mon rêve m'indiquait. J'ai senti que cette pénétration, c'était quelque chose de pas très long, de très fin, de très froid, de très dur. Oh, c'est vraiment... Genre métallique. Bah, oui. Voilà. Bah, oui. Genre une sonde, quoi. Oui. Mm. Et là, d'un coup, je dis stop, je ne veux pas. J'ai dit stop, mais parce que je ne veux pas être enceinte. Ouais. Ouais. Ça continue le truc, tu vois. Ouais, ouais. Et hop, il y a eu un retrait. Et ça m'a réveillée. Mm. Ça m'a réveillée. Et je savais très bien que ce n'était pas génial. Je savais très bien ce qui se passait. Mm-mm. Donc j'ai eu vraiment la conscience. Et là où je voulais dire que ça me rend service aujourd'hui, c'est que le fait de faire descendre cette conscience, c'est-à-dire des choses que je sais, que j'ai vécues, mais qui sont dans le déni. Parce qu'il y a une part de moi, je l'ignorais jusqu'à présent, qui était porteuse d'une honte.
de la honte ben, de vivre, déjà de vivre des expériences sexuelles, parce que la sexualité aujourd'hui, c'est devenu un tabou, parce qu'elle a ça tellement été dévié. C'est fait exprès, le tabou. Enfin, oui. Aujourd'hui, depuis tout l'ère judéo-chrétienne, on est bien d'accord. On est imbibé. Voilà. Donc, sur le coup, ben, un exemple, tu es en couple, le matin, tu te lèves, tu as désiré quelqu'un d'autre. Oh, mon Dieu, mais je ne vais pas le dire. Mm. Bon, c'est con, nous on partage tout. Hein. Oh, Loulou, j'ai dit, j'ai fait l'amour à quelqu'un d'autre que toi hier. On se raconte nos trucs. Mais pour moi, c'est quelque chose de concret, de tangible, comme la table. Quoi. Tu vois ouais. Et donc, là où je voulais dire que ça me rend service, c'est que j'ai vécu multiples expériences qu'on a commencé à écrire, qu'on a écrit dans mon histoire à moi, mais où je n'avais pas fait tous les liens. Mm-hmm. Et aujourd'hui, de plus en plus, ça descend dans mon corps. C'est-à-dire que cette fameuse fois où je suis allée en discothèque à l'âge de 11 ans avec ma mère et ma sœur, qu'elles m'ont menée ce dimanche après-midi, parce que cette discothèque était ouverte le dimanche après-midi, qu'elles m'ont menée là-bas, que je me suis retrouvée devant cette immense enseigne qui s'appelait la nuit des temps. Alors là, déjà, il se passe quelque chose. Hein. La nuit des temps, et que je vais rentrer dans cet endroit-là, je me suis urinée dessus. J'avais honte, parce que je me disais, attends... toi, tu vas aller dans un endroit comme ça, la jambe humide, quoi, tu vois. Je me suis urinée dessus. Ouais. Et donc, quand j'ai fait ma crise d'épilepsie à l'âge de 16 ans, et que j'ai perdu connaissance, et que j'ai une perte de connaissance qui était anormalement longue, parce que les médecins ne comprenaient pas. Normalement, on perd connaissance, c'est comme une crise de spasmophilie. Tu peux perdre connaissance 5 minutes, 10 minutes. D'épilepsie. Non, non. Ouais. Non, mais même spasmophilie, on peut faire des crises... perdre connaissance, mais ça dure quelques minutes, oui. Bon, 10 minutes, peut-être même un petit peu plus long, quoi. Ouais. Mais là, j'ai perdu connaissance pendant plus de 3 heures au moins. Oui. Eux, ils comprenaient pas pourquoi je ne me réveillais pas, mm-hmm. et pourquoi j'étais dans un état en plus convulsif. Et quand je me suis réveillée, encore une fois, je me suis urinée dessus. Je me suis mordu la langue, je me suis urinée dessus. Et que j'entendais, que j'ai vu toutes ces têtes, que je me suis réveillée à l'hôpital. Bon, il faut bien comprendre, hein, c'est 1h du matin, je rentre dans une discothèque à l'âge de 16 ans. Et je me réveille, vers, je ne sais pas, ça devait être 5h, 6h du matin, à l'hôpital, avec plein de têtes penchées sur moi. Et j'entends, ah ouais, elle est charmante en plus, elle est mignonne. Hein, j'entendais ça, je me réveille avec ça. Là, forcément, j'ai une crise d'angoisse terrible. Et là, j'ai mes jambes qui repartent à claquer sur le brancard. Ouais. Et donc, d'un coup, les médecins, ils me rassurent, enfin, les infirmiers me rassurent que je suis en sécurité. Et là, mais de quoi j'ai eu peur, quoi. Mm-hmm. Et en quoi, fait, il m'a fallu faire tout ce cheminement pour comprendre de quoi j'avais eu peur. Toutes ces blouses blanches, là, autour de moi... qui sont là à m'ausculter, penchés, avec, mais vraiment bien penchés, tu vois. Qu'est-ce qu'on a après moi, quoi. Qu'est-ce qu'on me veut. Et quand je fais tous ces liens avec « je ne veux pas être enceinte », et là, le truc le plus flagrant, mais ça, c'est vraiment descendu tout récemment, parce qu'on l'a écrit, on a retravaillé là-dessus. Quand j'étais, avant de quitter mon emploi, aujourd'hui, je sais ce que c'est. Quand j'ai cette... je suis allée aux toilettes, alors que j'avais pas de rapport sexuel, je prenais la pilule, et que, en m'essuyant, j'ai une genre de glaire, de... je sais pas ce que c'était, mais j'étais... mais j'étais tétanisée par ce truc. Et je me disais, mais non, mais c'est pas possible, tu sais, ça peut pas être un fœtus, comment... faut m'expliquer, là, d'où ça vient. Mais t'étais célibataire... C'est pas possible, ouais. Hein. C'est pas possible. Je fais n'importe quoi. Et en fait, en faisant mes recherches, j'ai retrouvé une photo d'une femme qui a fait un avortement. Et je crois que ça avait, je ne sais pas combien de semaines. 4 semaines. Non, pas plus, 3 semaines. Non, non, un peu plus que ça, je crois. Donc, j'ai vu ce qu'elle avait dans les mains, parce qu'elle a eu le réflexe de le prendre en photo, parce que pour elle, elle voulait faire son deuil de cet enfant. Oui. Voilà. Et donc, quand j'ai vu l'image... mais, là, mais je me suis pris un uppercut et j'ai compris que le mien de fœtus, il n'était pas autant formé que le sien.
Donc j'ai compris que peut-être que le mien avait une semaine, deux semaines, tu vois. Ouais. Voilà. Tandis que le C, il y avait déjà plus de formes. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des formes humaines. Voilà. Et donc, là, ce rêve que j'ai fait ce dernier temps, là, il y a quelques jours en arrière, où je me suis réveillée, où j'ai senti cet objet froid, mais à un moment, ce qu'on m'a montré, ce que ma conscience m'a montré, c'est qu'à un moment, j'étais dans ce corps, où j'étais prise en sandwich entre deux personnes, et à la fois, j'étais au-dessus. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas l'expliquer, je me retrouve la tête face aux pieds du gars. D'accord. L'identité plutôt. Ouais, j'y viens. Et là, d'un coup, j'ai eu un écœurement parce que ce n'était pas des pieds humains. Oui, j'allais dire, t'as vu ses pieds, quoi. Ouais. Et j'ai vu des pieds humanoïdes, mais c'était pas humain, c'était ragoûtant. Ça m'a... Ah. Et d'un coup, comme je me suis dit... Des pieds comme dans les films d'horreur. Mais, mais en fait, c'était... Mais dans ma conscience, c'était... Mais tu connais ça, tu connais ça. Rappelle-toi, tu connais ça. Et là, je me suis réveillée. Oh là là, ça va faire du bruit à la caméra. Et là, je me suis réveillée où ça y est, la mémoire est revenue. Mm. Mais elle n'est pas entièrement revenue. Elle vient par bribes en fonction de ce que je suis capable d'accueillir. En fonction de je lutte ou je lutte pas. Et là où je vais aller plus loin encore, par rapport à ce qu'on vit au niveau de la 3D, c'est que ça rejoint toutes ces histoires de caves, de Pôle emploi. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. J'ai entendu des caves. Mais attends, si tu as rentré... Non, je reste dans les abductions. Hein. Oui, d'accord, parce qu'il y a d'autres choses encore. On est bien d'accord. Et donc, dans quoi ça me sert aujourd'hui? C'est-à-dire que quelque chose qui pourrait me desservir, où je pourrais rester dans la honte, et je pourrais rester dans la frustration, dans une genre de viol, enfin, ouais, on pourrait l'interpréter comme on veut, eh bien, en fait, non. Je me suis dit, attends, t'as vécu ça pour t'en rappeler. C'est un cadeau que tu vis, te rappeler. Moi, j'ai demandé à ce qu'on me montre la réalité, et sortir du rêve imaginaire et de plus en plus faire accroître ma conscience pour pouvoir manifester une autre réalité. Mais cette réalité, je ne la choisis pas. Je ne peux pas choisir avec mon ego de je veux ça, j'ai envie de ça. Ça ne marche pas comme ça. La seule chose qu'on puisse faire, c'est accepter ce qu'on vit. Mais pour accepter ce qu'on vit, il faut déjà apprendre à développer une clarté d'esprit. Et donc, j'ai demandé à avoir un esprit de plus en plus clair pour voir la réalité telle qu'elle est, et en sortant de tout jugement de ce que je pouvais vivre. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et donc, là où je vais au niveau de la 3D, au sujet du Pôle emploi, du RSA, tout ça, j'ai compris, ça fait un moment que je le sais, mais là, je suis dans l'expérience. J'ai compris que tout ce que je vivais avec Pôle emploi et le RSA, c'était pour m'enseigner quelque chose, et pas pour me punir de quelque chose. Il y avait des liens entre tout ça. Exactement. J'y vais. Et donc, au début, par exemple, avec Pôle emploi, j'ai senti où je devais me justifier. Et effectivement, que je devais me justifier. Et pourquoi j'étais dans cette phase de justification? Parce que j'ignorais encore des parties de moi qui étaient en dormance. Il m'a fallu aller à Biriatou, rencontrer Marie-Jeanne, et faire cette rencontre avec ces autres parties de moi-même que sont les caveaux. Et en plus, je fais un petit lien. Nous, on a toujours dit on vit dans la maison des hobbits, mais ce n'est pas la maison des hobbits. Ou qu'est-ce que sont les hobbits? C'est des caveaux aussi. Et là, je fais les liens. Pourquoi une petite entrée? Tout est bas. Enfin, je dis, quelqu'un qui est grand, ici, il est obligé de baisser la tête. Quoi. Donc, je comprends pourquoi on est là. Tout s'explique et toute une logique pour me rappeler ce que je suis. Donc c'est normal que quand je vais au Pôle emploi, je me justifie parce qu'il y a encore une partie de moi qui ignore qui elle est. Et moi je crois que mon extérieur, je dois me justifier, dire ce que je suis, me battre pour vivre. Mais ça, j'ai agi de cette façon-là. Non pas que c'est bien ou c'est mal, c'est une expérience qui m'a permis de comprendre ce que je suis. Donc, c'est-à-dire que c'est un processus. Donc, le Pôle emploi, il y a eu plusieurs courriers de justification. Et après, quand on est allé s'inscrire au RSA, ça c'était magnifique, parce que quand on est allé au RSA, on a vu cet arbre et ces genres des ovnis qui volaient sur une peinture murale qu'il y avait à l'accueil de la CAF. Ça c'était incroyable, le signe qu'on a eu, et puis personne n'a... Les liens, quoi.
Personne ne m'a demandé de me justifier. Et c'était écrit « Bienvenue » en énorme. Et là, je me suis... Comme notre site. Comme notre site. Ah oui. Et deux, je me dis « Waouh, ok, on est bienvenu. » Et effectivement, quand la personne m'a accueilli, ben, elle ne me demandait pas de me justifier. Hein. Mm. Pas du tout. Je dis « Bon, ok. » Et puis finalement, je raconte le petit cheminement rapide. Hein. Et puis finalement... On était aux ablutions. Hein. On y va. Et puis finalement, le RSA prend ma défense. Pourquoi ? Parce que je me reconnais dans ce que je suis. Ça rejoint les abductions. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, avant-hier, on a eu un rendez-vous avec une personne pour le RSA. Et là, on s'est dit, ben voilà, nous, on n'a pas à se cacher. On y va ensemble, parce que de toute façon, on chemine ensemble, et puis on est indissociables. Donc, c'est ou tout ou rien. Est-ce que j'assume ou est-ce que j'assume pas ? Et donc, par rapport à ce lien des abductions, là, on ne me demande pas de me justifier. Aujourd'hui, on ne me demande pas de justifier ce que je suis, on me demande d'être ce que je suis. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire pour être ce que je suis ? Mmh. Et là, on me dit, la vérité, sois. Pourquoi tu vas aller dans le monde de 3D et te cacher de ce que tu es ? Pourquoi porter la honte ? Et oui, puisque en plus, la concrétisation de cette énergie, c'est bien dans la matière, quoi. Exactement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé, et avant d'aller, j'ai fait un CV. Parce qu'il demandait un CV. Et je me suis dit, moi, je refuse d'aller là-bas, et que la personne croit que je me fous d'elle. Genre, attendez, moi, je vis dans une autre dimension. Moi, tout ce que vous me demandez, ça ne m'affecte pas. Oui, ça veut dire t'adapter à cette dimension-là. Exactement. Mais jouer le jeu. Oui. Si je ne joue pas le jeu, comment je peux jouer de la vie ? Mais pour jouer de la vie, il faut d'abord que je joue le jeu SDS. Tout dépend de la conscience que tu as quand tu joues le jeu, quoi. Exactement. Et donc, je me suis dit, mais attends, Sandrine, on te montre ça. Tu vis une abduction. Le matin, tu te lèves, tu as encore ce truc froid dans le vagin. C'était la même journée. Ah, tout s'est... Ouais. C'était le packaging. Ouais. Tout s'est fait en plusieurs nuits. C'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Mais pas de colère, de rejet. Il fallait que ça sorte, quoi. Et en fait, j'ai compris que je portais du déni, énormément de déni, et que j'avais honte de ce que j'avais vécu, et qu'il y a une part de moi qui est honteuse d'être ce qu'elle est. Parce qu'elle ne correspond pas aux stéréotypes du système de la matrice. Et là, je me suis dit, mais Sandrine, tant que tu auras honte, on va te demander de te justifier. Et parce que c'est un des programmes SDS. Voilà. Mmh. Et donc là, pour la première fois de ma vie, je suis allée en courant au rendez-vous. Mais une joie. Une joie. Et en fait, j'ai fait un CV avec tout ce que j'ai vécu. Les abductions, les êtres qui sont venus me voir. J'ai tout expliqué noir sur blanc. Ouais. Mais c'est pas pour me foutre de la personne. Ouais. J'ai expliqué tous les métiers que j'ai fait. Mais j'ai... En curriculum, ma vie. Oui, ah, faire quelques pages quand même. Un débriefing. Non. C'était très, très synthétisé. Ouais. C'est juste pour expliquer, ben voilà, moi, je suis ça, et j'ai plus peur, j'ai plus honte de ce que je suis. Oui. Et on est allé, effectivement, on est tombé sur une femme, bon, elle a eu un petit choc, certes. Déjà le mot abduction, je ne sais pas si... Mais j'ai pas mis abduction, ouais. J'ai marqué visité par des êtres venant d'autres dimensions. Mais j'ai vraiment, quand tu c'était lis explicite. Le CV, c'est je me fous pas de sa gueule. Ouais. J'ai vraiment expliqué ce que j'ai vécu, que voilà, à l'âge de 5 ans, c'est la première visite de laquelle je me rappelle, où j'ai vu un être, et ça, j'en suis formelle. Mes parents m'ont jamais cru, jusqu'au jour où on vit dans une maison habitée, où mon père, quand même, il entendait des bruits de pas et des bruits de casserole, il descendait armé, quand on avait le bar tabac restaurant. Il croyait qu'il y avait quelqu'un, et quand il y allait une nuit, deux nuits, trois nuits, six mois, un an, ça dure, au bout d'un moment, il se dit, attends, il y a quelque chose quand même, ça commence à percuter au cerveau, quoi, tu vois. Donc tous ces petits faits, tout accumulé, et toutes mes angoisses que j'ai fait, mes dépressions, de capter l'énergie du monde invisible, c'est-à-dire je voyais les prédateurs. Et ces prédateurs-là, moi je ne savais pas les nommer. Je ne savais pas. Parce que je ne le voyais pas encore, je ne les percevais pas avec ma vision. Tandis qu'aujourd'hui, je vois. Ce n'est pas la même chose. Avant, c'était que du ressenti. Je sentais une énergie. Et tout s'est fait imbriquer les uns dans les autres. Aujourd'hui, je ne peux plus
nier l'évidence. Et c'est pour ça que je suis allée au rendez-vous du RSA en exposant ma vérité. Et si tu veux, le fait d'avoir l'épisode d'avant avec Pôle emploi, où c'est vrai, j'avais l'impression de devoir me justifier, que c'était vraiment dur de gagner sa place dans ce système. Et je savais que ce que j'avais écrit, c'était mes vérités. Mais j'avais encore l'énergie de colère parce que je ne comprenais pas. Oui, de rébellion. Voilà, je ne comprenais pas pourquoi je devais encore me justifier avec ce cheminement parcouru et ces prises de conscience. Mais il y en avait encore. Et ça du continue. Du coup, là, le rendez-vous, tu disais, la femme, elle... Donc, la femme, elle a... Oui, elle a été choquée. On a été très, très bien accueillis. Elle n'a pas pu lire le CV jusqu'au bout. C'était vraiment trop fort pour elle. Ouais. Mais elle a dit, écoutez, moi, je porte aucun jugement. Elle dit, moi, aujourd'hui, je suis là pour vous orienter, pour savoir dans quelle catégorie vous entrez. Et je ne sais pas dans quelle catégorie vous entrez. Mais j'ai dit, écoutez, des catégories, il va bien falloir en trouver. Parce que nous, on existe, on est là. Et moi, le monde de ce monde-là, je n'ai rien contre les gens qui travaillent. Chacun est à sa place. J'y mets maintenant, pour moi, c'est la mort assurée. Elle me dit, mais je comprends. Elle me dit, moi, j'ai des gens... Ça veut dire quoi pour moi, c'est le travail. D'aller travailler dans le oui, monde d'accord. comme ça. J'ai dit, moi, je ne peux plus me mentir. Je ne peux pas. Je peux pas. J'ai accédé à d'autres choses. Et on écrit toute la journée. On est quatre. En plus, sur le CV, c'est écrit. J'ai dit, on est quatre à s'engager dans cette voie-là. On fait un énorme travail. Et avec les retours, j'ai tout écrit sur le CV, avec le retour du site, ben, on se rend compte qu'on n'est pas un cas isolé. Il y a plein de gens qui relatent leur expérience, qui témoignent. Et finalement, c'est là où on se rend compte que on est très loin de savoir les choses. Ouais. Et donc, elle, sa problématique, c'est qu'elle me dit, je ne sais pas... Elle me dit, à chaque fois, c'est le bon, truc. Bon, elle me dit, handicapé, ça vous dirait ben, j'ai dit, mais pourquoi pas? J'ai dit, ben oui, on est handicapé de ce système-là. Parce que, j'ai dit, mais bon, moi, je ne suis pas là pour vous mentir. Hein. Non, mais c'est la réalité, je c'est pas mal, quoi. Parce que c'est le cheminement SDS, c'est accepter le handicap SDS pour aller dans cette autre dimension SDS. J'ai dit, mais moi, vous me mettez dans la catégorie que vous voulez. De toute façon, une chose est certaine, c'est que je ne retournerai pas travailler. Parce que j'ai déjà un emploi. Alors, à part aller travailler en pleine nuit, mais là encore, je suis fortement bien occupée. Merci. Merci de vous référer au CV. Au CV. C'est écrit mon sur blanc. Hein, visiter. Je peux vous dire exactement l'effet que ça fait. Très, très bizarre. Très spécial. Je ne peux plus. Et donc, elle m'a dit... Et là, j'ai vu vraiment... Hein, elle était sans jugement. Ouais. Elle me dit... Oui, parce que du coup, toi, comme tu avais ton énergie, justement, d'être complètement honnête avec nous-mêmes, ben, en face... Et donc, elle me dit, ben, écoutez, moi, je vais transférer votre dossier, je vais marquer plusieurs options, et puis décideront, elle me dit, parce que alors, moi, je suis vraiment perplexe, là. Et en fait, je suis repartie, j'étais autant perplexe qu'elle. Et là, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Moi-même, je ne sais pas dans quelle case me mettre. Comment veux-tu qu'elle trouve une case qui soit appropriée pour moi? Ben ouais. Donc, c'est le travail que je suis en train de faire en mon intérieur, de trouver une case appropriée à ce que je suis. Donc, je pense que quand vraiment cette conscience, elle va descendre, parce qu'elle entraîne, c'est un processus, hein, quand elle va vraiment descendre... Ils vont créer une nouvelle case. Ils vont trouver une place... qui est spécialement adapté à l'être ce que je suis. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, enfin, on ne peut pas savoir de quoi l'avenir... Enfin, tu vois, l'histoire de cases, voilà. Et qu'en fait, les cases, c'est rigolo, il y a plein de cases sur le verre. Les cases, elles sont un système SDS. Donc, comment faire rentrer un être qui est en train de cheminer vers un monde de s'expanser, qui va de plus en plus, comment le faire rentrer dans une case, c'est normal qu'ils n'y arrivent pas, en fait. Et du coup, comme dit Gina, il y aura peut-être une autre case, ou alors un autre concept qui ne sera même pas case. Et qu'on n'y passe même pas. Oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que je prends l'exemple de l'handicap. Bon, peu importe où elle me met. Alors, on pourrait se dire, oh là là, c'est en gros, tu vas être handicapé. Mais tout dépend le regard qu'on porte sur la chose. Et bien voilà, c'est comme les abductions. Tu auras tes prises de conscience, il y aura plein de choses qui vont se passer en fonction de... Mais là, pour la première fois de ma vie, j'ai dit, tu vois la Genaëlle, aujourd'hui, je ne joue plus ma vie. Avec Pôle emploi, j'avais l'impression de défendre ma peau encore. Là, je suis allée, j'avais rien à défendre. J'avais rien à défendre. Tu ne te sentais pas en danger. Pardon ? C'est ce que ça veut dire, handicap.
onde, c'est le mot la main. La main, oui. Et le cap, c'est le cap. Ouais. Bah, prendre le cap. Le cap, enfin la main qui prend le cap. Diriger sa vie. Un handicap. Et alors, allons encore dans les signes, comme tu es en train de le soulever. On avait rendez-vous à un endroit, donc ce n'était pas le conseil régional, parce que c'est une dame qui reçoit les personnes et qui après qui dit « Oh ben, on va plus vous orienter vers le Pôle emploi, on va plus vous orienter vers le RSA. » Une assistante sociale ou autre chose, oui. En quelque sorte. Et donc, elle dit « Oh là là, moi je ne sais pas où vous mettre. » Mais peu importe, dans les signes qu'on a vus avant d'aller, et c'était rigolo pour nous, on allait, l'adresse c'était 3, donc la Trinité, pourquoi pas, hein, moi c'est le truc qui m'est venu, 3 rues du Pont Neuf. Pont Neuf, dans le pont, le pont, l'arche duquel on parle, neuf. Il est tout neuf. Tout neuf, il est neuf sorties de cycle. Ouais. Et le chiffre 9, la sortie de cycle. Donc il y a les deux... Ouais, juste avant le... 10, 0, unité, quoi. Ouais. Et comme je disais à Genève, j'ai dit, mais tu sais quoi, Loulou? Ils peuvent me couper les vivres. J'ai dit, bien sûr, mon prédateur. Parce que j'ai senti, comment je pourrais dire, allez, si j'avais pouvais définir la peur que je ressentais, elle devait être à 5%. Autant dire, que dalle, comparé à avant. Ouais. Je suis matin, ils peuvent me couper les vivres. Il n'y a rien qui ne changera mon chemin et ce que je suis aujourd'hui. Mm-hmm. Et ce que je suis aujourd'hui, je ne peux plus me cacher. Le lieu, c'était lieu ressource. Oui, et lieu ressource, pardon. Lieu ressource, 3 quai 9. Du Pont Neuf. Du Pont Neuf. 3 quai du Pont Neuf. Bon. Et donc, bon, bref, tous ces signes accumulés. Donc aujourd'hui, je sais que même si eux, ils disent, ben non, écoutez, on ne peut plus vous verser, ben ok, pas de problème. La vie nous donnera ce qu'il faut. Mm-hmm. Je ne sais pas par où, par quoi. Je sais pas. Ouais. Mais je sais que pour moi, ça continue en tout cas. Parce que ben, d'avoir dépassé ma peur avec le Pôle emploi et avoir dit, mais vraiment, c'était un cri de l'âme en disant que je ne vendrai pas mon âme, qu'on pourra faire ce qu'on veut, on pourra me torturer, je pourrai vivre les plus grandes misères, plus manger, plus rien, je ne vendrai pas mon âme. Et ça, il n'y a personne qui me fera faire l'inverse de ça. Ouais. Et j'étais avec une telle conviction, je l'ai senti, mais même, je me disais, mais. Ah, je vous demande rien, hein. Moi je cherche juste à vous mettre dans une case, elle aussi, oui, pour l'emploi. Et vu qu'elle ne savait pas à quelle case me mettre, elle m'a envoyée au RSA. Le RSA a pris ma défense et maintenant je suis à l'assistante sociale. Je ne sais pas où je vais demain. Et en fait, je me dis, mais waouh, c'est génial quoi. J'apprends, je n'ai pas besoin d'avoir peur. J'ai juste à prendre les indices qu'on me communique et qui m'orientent à droite, à gauche, inclinaison. Voilà, inclinaison à 45 degrés, je clac, 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 hop, réalignement. Donc, du coup, que ce soit les aventures dans les bureaux avec l'administration, que ce soit les aventures la nuit avec les abductions, et ben en fait, il y a un cap d'acceptation, quoi, de participer à l'expérience. Oui. C'est ça que tu dis. Oui, et en fait, merci pour les abductions parce que ça m'a permis de m'affirmer. Et pas me justifier. Ouais. Parce que je ne me suis pas justifiée. Je me suis affirmée. Je suis ça. Voilà. J'ai écouté, lisez le CV, puis on parle après. Ouais, ouais. Mais il n'y avait plus grand chose à dire après. Ouais. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Là, avec les abductions, hein, ça m'a fait faire des liens tout à l'heure, justement. Je me disais, ça va me revenir en parlant. C'est le fait d'être cloisonné, d'être enfermé. Et en fait, il y a eu plein de retours par rapport aux internements en hôpitaux psychiatriques. Mmh. Et je pense que le lien qu'on se fait tous les deux là, par rapport à ça, c'est vraiment fort parce que à un moment, bon, l'époque de Noël, du jour de l'an, ça a été très 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 fort en prise émotionnelle, enfin, en fait j'arrive de plus en plus à observer les moments où par exemple quand il y a eu l'inauguration du monument aux morts, il y a eu dans le village, oui. Ce qu'on l'appelle lui avec son nom, l'évêque, voilà, merci. Bravo, il y a eu l'évêque, il y a eu tous les représentants, une sénatrice, il y avait tous les corps de l'armée, marine, machin, tout ça qui débarquaient à Saint-Just, tout petit village, quoi. Et les militaires qui étaient devant notre porte, la fenêtre et tout.
Et moi, j'étais dans le dilemme de me dire, bon, est-ce que j'y vais pour observer ce qui se passe et tout ça, ou pas. Mais en fait, j'avais pas besoin d'y aller tout de suite parce qu'il y avait tellement de choses qui montaient. C'est là que je prenais conscience comment l'égrégore, tout ce qui se passait par rapport aux autorités SDS qui étaient là, comment ça, sans que je sois dans le bain, hein, j'étais dans la maison quand même, comment ça influençait sur mon émotionnel, et ça m'a fait vivre une crise énorme. Et quand cette crise est que, enfin, quand eux sont partis, cette crise est redescendue. Mmh. Et là, je voyais la même chose avec Noël, l'égrégore qui est nourri de cette convivialité SDS, de cette boulimie d'achat, de nourriture, de tout ouais, ça que j'ai vécu. Voilà, et que je, en en sortant, je me rends compte encore plus à quel point je me mentais à moi-même, quoi. Et en fait, là, j'ai touché à ce moment-là du Noël et jour de l'an, enfin ça a été le jour de l'an, j'étais devant mon ordinateur et en fait l'ordinateur il faisait une dyslexie, c'est-à-dire que je tapais et en fait ça inversait des lettres, mais un mot tous les cinq mots quoi, c'était un truc à devenir fou quoi, vraiment. Et du coup, en plus j'étais dans le récit du Bézu, donc c'était important, je me dis mais c'est important que je continue, et il y avait toujours quelque chose qui m'arrêtait. Pendant plusieurs jours c'était hyper dur. Et là, je revoyais David qui me dit « Mais apprends à te débrouiller, quoi. Apprends à chercher sur l'outil informatique, technologique que je repousse tant, quoi. » Et du coup, David, il faisait autre chose. Et je me suis dit « Mais ok, je vais aller télécharger mon truc. Je vais enlever le LibreOffice qu'il y avait. Et je vais aller chercher un nouveau LibreOffice. Je vais me débrouiller, machin. » Je me dis « Autant, ça le fait en un quart d'heure, c'est bon. Je continue mon texte et tout. » Et en fait, je le fais. Enfin bon, il y a eu plein d'essais. Il y a eu la langue après qu'il fallait adapter. Et puis ça m'ouvrait plein de trucs. Il me disait oui, mais en quel format et tout. Et moi, comme je découvre les ordinateurs, je découvre le Mac et je découvre les téléchargements. Enfin bon, c'est oui, toute une aventure. Voilà. En fait, je piquais vraiment des crises, quoi. J'étais mais en larmes, en rage intérieure, je me dis mais je vais y arriver à me débrouiller toute seule, et puis je réessayais, je l'ai téléchargé je sais pas combien de fois, et en fait David il arrivait à ce moment là et il m'a vu dans cet état là et après plus tard il m'a dit que là il avait, ça l'avait fait contacter une forte émotion en fait, de se remémorer comment il avait pu se sentir justement face à une compagne donc qui l'avait sortie d'un hôpital psychiatrique. Et et du coup, il m'a parlé de ce film de 37 de le matin. Ah oui. Que j'avais pas vu. Et que ça faisait plusieurs fois qu'il me disait voilà, qu'il avait eu l'impression de vivre ça en couple avec une autre personne. Et de le voir. Bon, je savais que ça allait être fort parce que j'étais dans cet état de. Enfin, je me sentais dans un état de folie, fin de... Plus tout le bagage émotionnel qu'il y avait avant, hein, parce que là, c'est vraiment l'accumulation de péter les plombs. Et surtout, depuis que j'avais pris conscience, grâce à nos échanges, là, du fait de ne pas me noyer dans mon émotionnel, il y a un truc qui se faisait tout seul, où j'en sortais assez rapidement. J'avais besoin de pleurer, et puis hop, il y avait un bâillement qui se passait, puis j'en sortais. Et là, j'étais dedans. Dans la mélasse. Et je me disais, il y a vraiment un truc grave pour moi, enfin je sentais quelque chose de fort qui était en train de se passer. Et de voir ce film, purée, mais alors là ça a décuplé les choses, l'internement en fait, le fait d'être d'être enfermé, il m'est revenu plein de récits d'amis qui m'avaient raconté leur internement, ou comment ils voyaient des dimensions différentes, et comment ils avaient l'impression de devenir fous, et que du coup ils allaient même se faire interner d'eux-mêmes. Comment un ami il avait peur qu'on vienne le chercher, il barricadait toutes ses portes, toutes ses fenêtres et tout, il avait une peur, mais maintenant je sais ce que c'est que cette peur. Et en fait il y a tous ces récits qui me sont revenus, dont un qui est suicidé, enfin il a eu un cancer mais il est mort il y a pas longtemps, et qui avait des accès, on va dire, chamaniques, mais encore qui en fait en souffrait, il croyait que c'était de la folie, quoi. Et en fait, tout ça qui est remonté, c'était le jour de l'an, pile poil, et c'est remonté hyper fort avec cette impression d'être
comme la nana à la fin, là, d'être ceinturée sur le lit, de plus pouvoir bouger, de devenir barjot. Et voilà, donc il y a cette mémoire qui est remontée, en même temps que les abductions. Mm-hmm. Donc il y a plein de liens qui se font, et de... Ça, c'est pareil, je l'ignorais que j'avais cette mémoire par rapport aux hôpitaux psychiatriques, et je sais que ça touche une autre dimension, en fait. Oui. Bien sûr. Parce que les hôpitaux psychiatriques, ce sont des centres d'abduction. C'est carrément. L'endroit où se passe le plus c'est souvent clair. Les choses. C'est clair, mm-hmm. C'est clair. C'est manipulation mentale, en fait. Si tu veux, dans les hôpitaux psychiatriques, c'est pas pour critiquer la psychiatrie ou les psychiatres, mais beaucoup de ces psychiatres, ce sont les pires, comment on appelle ça, des habités par des prédateurs. Si Par des gros prédateurs. Pires psychopathes. Ouais, des canaux parfaits, voilà. Quoi. Voilà, ouais. C'est ça. Et donc, en fait, ils utilisent, donc, la quatrième dimension, SDS, ils utilisent le monde psychiatrique pour instaurer la programmation, pour mettre des programmes. Là, j'étais face, en fait, ce qui se passait à l'intérieur de moi, c'est que j'étais face à la terreur de... Comme devant cet ordinateur, en fait, que je me sentais déconstruite, tellement... Mm-hmm. C'était le chaos à l'intérieur de moi, c'était vraiment une terreur, j'avais besoin de soutien. Mm-hmm. Et en fait, là, de me voir, à ce moment-là, attachée sur un lit, donc camisole chimique ou camisole de force, bah du coup, j'étais... C'est d'imaginer tout le pire en fait qui peut arriver à une personne qui est dans le plus grand besoin à ce moment-là et qu'en fait on la baïonne, quoi. C'est ça. Et c'est ça que j'ai vécu, enfin c'est... Tu vois, voilà, donc je sais pas exactement ce qui se passe concrètement, mais il y a plein de liens qui se font. Tu m'étonnes qu'on vit des abductions. Ils veulent vraiment savoir comment... Imagine-toi que en fait, la psychiatrie n'a pas de moyens, en fait, ne peut pas, n'est pas assez, n'a pas assez de connaissances. On n'est pas assez avancé pour comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils baïonnent les gens, en fait, parce qu'ils se baïonnent eux-mêmes. Ils ne savent pas ce qui se passe. Donc, ils sont obligés de contenir les gens parce qu'ils ont peur. Effectivement, les gens qui vivent des abductions, on les attache parce qu'on pense qu'ils sont fous. Mais si on pouvait leur expliquer, en fait, que ce qui se passe en réalité, ils n'auraient pas besoin de les attacher parce que... En fait, si chacun tout le monde pourrait s'en libérer. Ça prendrait certainement une autre place et ça s'inscrirait. C'est-à-dire, si chacun comprenait ce qui se passe en réalité, le problème de la psychiatrie pourrait être résolu, tu vois. En fait, assez rapidement, ça ne veut pas dire tous, mais certains, oui. Enfin, une grande partie. La plupart des gens qui sont en psychiatrie, ils n'ont rien à y faire, quoi. Ah, mais c'est clair. Ouais. Des gens qui ont des capacités chamaniques et qui pourraient... Ah oui, comme de l'hypersensibilité, en fait. Ouais. Hein. Moi, ce que j'ai capté, effectivement, le système psychiatrique, je le connais assez bien, pas pour y être moi allé, pour moi, mais pour y être allé pour d'autres personnes. Donc, que ce soit des copains, en fait, plusieurs copains, et puis des compagnes, en fait, aussi. Donc en fait, c'est vrai que c'est un truc qui est revenu souvent dans ma vie. Et j'avais un peu l'attitude du sauveur, en fait, dans cette histoire-là. Mais en même temps, je sais très bien que, en fait, j'essaye de sauver ce que je voudrais sauver en moi. Mm-hmm. Et en fait, effectivement, le système psychiatrique, il est dans la peur. Et donc, effectivement, il ne peut pas avoir de connaissance, quoi, quand on est dans la peur. Donc, en fait, c'est une barrière qui est mise. Et cette barrière, ça me fait penser tout à fait au cadre... Parce que vous parlez depuis tout à l'heure, les filles, du cadre de l'autorité, finalement, d'être reconnue, quoi, en fait. Et en fait, c'est vrai que la programmation de l'autorité... qu'instaure le système autoritaire, c'est de demander d'être reconnu et de correspondre à des cadres. en fait, ça va très très loin, en fait. Ça va très très loin. Quand on commence à se connecter effectivement à d'autres aspects de la réalité, à accepter d'être sensible ou s'ouvrir pour diverses raisons, en fait, à ce moment-là, ces personnes, elles ont d'autres informations, là, justement, qui ne rentrent pas dans le cadre. Et donc, en fait, il y a vraiment
C'est comme explique Dabrowski dans son approche, en expérience de, justement de, du phénomène, des phénomènes psychiques intenses, c'est qu'il y a une désintégration qui doit se faire. Oui. Et là, à ce moment-là, en fait, les prédateurs, ils doivent être à l'affût, quoi. Et en fait, c'est vrai que la personne, elle est vraiment sur le fil du rasoir. Mais en fait, en même temps, dans une capacité d'accéder à une connaissance, à des choses énormes, et en même temps, bah, la peur de ne plus rentrer dans le cadre, de ne plus être reconnu, de sombrer dans le néant. Et c'est des peurs très très profondes qui font que, en fait, elle rentre dans la folie. Alors moi, je sais très bien, c'est parce que j'ai cette peur là aussi, mais je l'ai vécu entre guillemets par procuration par rapport aux autres, et parce que par rapport, justement aussi par rapport à l'autorité, tu vois, il y a un truc, en fait, je sens qu'il y a un besoin. Parce que l'autorité nous fait croire qu'on a besoin d'elle pour exister, donc d'être vivant, c'est comme si, en fait, c'est comme la, on pourrait comparer ça à la peur de marcher sur un sol et tout d'un coup il disparaît. Donc là, c'est vraiment un truc dans le subconscient. Ah, oui. C'est un truc vraiment horrible. Et on sent dans les abîmes, etc. Et je crois que c'est a vraiment réussi à nous faire rentrer. Mais quand on accepte à ce moment-là, et en même temps, donc voilà, c'est un peu comme tu parles de Lucifer, tu choisis l'information ou pas. Bon, ben c'est sûr qu'il faut quand même avoir certaines informations pour pouvoir faire des choix. Mais quand on accepte qu'il y a cette... On peut comprendre les choses autrement en dehors du cadre, mais que le cadre est là, donc on apprend aussi des choses avec, mais qu'on peut aller au-delà et même sentir qu'effectivement, ben, le cadre, c'est pas grand-chose, qu'il y a des fois, c'est vraiment... On ne sait plus trop à quoi se raccrocher, mais que c'est là... Bon, en fait, on est peut-être le plus en accord avec la vie, que bon, il y a plein d'informations qui arrivent, et que en fait, effectivement, c'est de la folie, mais plein de sagesse qu'en fait qui nous arrive. Et à l'époque, certaines époques, ce qu'on appelait les fous, souvent ils avaient la même. C'était très proche de la sagesse, quoi. Il y a, oui, il y a des êtres illuminés. Au Moyen-Âge encore, où c'était l'époque où tout se mélangeait, où c'était hyper vivant. Enfin, Fulcanelli, justement, il en parle vachement bien. Et ça, je comprends vraiment ça. C'est que la conscience de groupe, bon, chacun, chacun était... Bon, c'était déjà une... C'est pas le côté tribal, vraiment, mais... C'était plus déjà le côté tribal, chacun était déjà plus individualisé, mais il y avait une conscience collective avec. C'était même le peuple qui véhiculait des choses ésotériques. En fait, le langage des oisons, bah, il n'était pas connu que par les compagnons. Enfin, ça imprégnait vraiment. Et justement, bah, les églises, elles étaient investies par le peuple, quand en fait le peuple avait une conscience, peut-être pas chaque individu avait toute la conscience. Et c'est ensemble, ils formaient vraiment une collectivité assez dynamique, et donc ils faisaient des fêtes, il y avait la fête des fous, ou qui s'appelait la fête des sages, et en fait ils se foutaient de la gueule, mais pas par. Enfin, avec une vraie conscience, parce que c'est. Pour essayer d'équilibrer les choses, et parce qu'ils avaient conscience qu'il y avait une autre réalité, ils se foutaient de la gueule du cadre qu'essayait de donner l'Église, qui était ce cadre, comme on dit, exotérique, donc juste des protocoles, donc vidé de son sens. Ils se foutaient de la gueule des représentants de l'autorité, qui en fait étaient complètement ignares du sens profond des choses, quoi, de la vie, et qui en fait étaient peut-être eux les vrais fous. Donc, ce qui revient à ce que tu disais à propos des psychiatres, tu vois, en fait, c'est ou, bon, encore une fois, c'est tout est inversé, mais c'est vrai que c'est souvent, j'ai senti toujours ce moment, ce fil du rasoir. En fait, moi-même, hein, j'ai pété les plombs et j'ai réussi à me retrouver, en fait, ou peut-être après m'être reconstruit finalement, mais où en fait j'avais vécu cette folie pendant certains, ça durait plusieurs jours, où en fait les gens me disaient, bah ça y est, en fait il s'est barré, et puis en fait j'ai changé quand même de structure, mais bon, après
effectivement, comme on fait nous, c'est-à-dire qu'on est capable de vivre une réalité où on sait que on va vers un autre monde, mais on voit le monde avec son cadre autoritaire, mm-hmm. et on est quand même capable encore de parler avec lui, en fait. Ah oui, bien sûr. Il y a cette image de... On a beaucoup plus de souplesse, même, pour parler avec lui. Exactement. Il y a cette image d'avoir comme deux regards, comme deux langages, et cette schizophrénie de l'accepter, parce que je pense que c'est notre salut, en fait. Mm-hmm. Pas la schizophrénie du prédateur qui nous possède, et qui se sert de cette schizophrénie. Cette schizophrénie où on est capable de jouer plein de personnages, en fait. Oui, comme on disait tout à l'heure, le fait de se rendre compte qu'on n'est pas qu'un individu, mais qu'on est constitué. C'est ça. Et que c'est normal, et que c'est pas qu'on est malade de constater qu'on a différentes personnalités qui nous gouvernent tour à tour. Oui. Et Gurdjieff, ce qu'il dit, il dit ce qui est important, c'est la conscience qu'on a de à laquelle de ces individualités on va aller donner notre force, consentement, énergie. Oui, puis on est conscient, parce que la personne qui pète les plombs, elle entend des choses, tu vois, dans le film 37-2, elle entend des voix, on voit bien comment elle rentre dans son truc. Elle est déjà, je me rappelle Laure avec qui j'avais vécu en fait un peu pareil que dans le film, et c'est à ce moment-là où j'ai eu une révélation. Quand on présente notre vie un petit peu aussi, quand on se présente dans l'épopée de la conscience, je parle un petit peu de ce moment qui est vachement fort, où en fait j'ai cru devenir fou, parce que je réalisais, le moment où je commençais à être hyper conscient de plein de choses, de faire des liens sur des milliers d'années, parce que quand je regardais les châteaux et le paysage, je comprenais que tout était à sa place, enfin, que ça me livrait un message. Mm-hmm. Donc franchement, c'était génial, mais aussi il y avait quelque chose qui me disait, ouais, mais avec ça, c'était trop vertigineux pour le cadre. Ah, oui, je comprends. Mais... ça me faisait flipper, parce que j'allais perdre... J'étais plus vivant pour, tu vois, je mourais vraiment pour le cadre, l'autorité, tout ça, pour les autres. Donc effectivement, à ce moment-là, où je pouvais dire je suis fou, je deviens fou, au sens que le dit les psychiatres, quoi, et ben en fait, c'était que j'étais en train de comprendre des choses. Tu vois, mais c'est vrai que ça montait d'un coup, quoi. Et oui. Des moments, c'est comme ça, c'est obligé de monter d'un coup, parce que... c'est pas par petite... Enfin voilà, ça se passe comme ça. Mm-hmm. Et là, c'est vrai que je... Voilà, je comprenais qu'il faut, comme tu dis, il faut accepter de perdre. Vraiment, il faut accepter de perdre quelque chose, en fait, de mourir, de qu'on vit des expériences qui nous apprennent, peuvent paraître un peu folles, parce que tant qu'on se voit les yeux, mais la réalité du monde, elle est foisonnante, quoi. Et c'est vrai qu'au moment, elle est illimitée. C'est que nous, avec notre conscience humaine étriquée, avec la conscience du prédateur qui passe à travers nos pensées, qui nous limite. Hein. Parce que c'est ça, en fait, que j'ai contacté. Je me suis dit, mais attends, mais bien sûr, je suis dans ce monde, mais je peux apprendre de ce monde et jouer dans ce monde. Et pas jouer sur la prise de pouvoir sur autrui, mais jouir de la vie. Jouir de la vie. Oui. Et là, j'ai vraiment compris ça. Tu vois, la dame, j'ai dit, vous savez, madame, moi, j'ai toute ma vie, j'ai travaillé, quoi. Mais avant, je travaillais pour gagner ma vie. Aujourd'hui, je vis ma vie. Mais j'ai fait des choix de vie. Gagner moins. C'est vrai que il a fallu passer par plein de choses pour arriver à ces initiations et arriver à aller plus sereinement vers tout ça. Parce que c'est vrai que quand il y a eu des moments, enfin, moi, j'avais... Enfin, quand j'ai revu ça, enfin là, il y a encore beaucoup d'émotions. Quand j'ai vu Hélène dans cet état, quoi, ça m'a fait. Ah ouais, ça t'a vite renvoyé à ce moment-là. Évidemment, ça me touche moi, parce que je sais que je suis sur le fil du rasoir. Enfin, c'est une image, en fait, et c'est plus tellement ça maintenant. C'est plutôt que je peux voyager, je peux comprendre. Mais avant, je prenais ça comme un fil du rasoir, tu vois, parce que. Mais de quoi on a peur ? C'est voilà, de plus correspondre à la norme. C'est ça. Sortir d'une boîte, parce que la boîte, on le sait qu'elle est infinie. On a là. Il y a une partie de nous qui n'a pas oublié que c'était illimité et infini.
Mais cette partie de nous qui est étriquée, qui justement veut nous maintenir dans une petite boîte, hein, ben quand justement cette boîte, ben le couvercle il saute de temps en temps, il s'enlève et puis il revient. Le couvercle du cercueil s'ouvre. Parce que tu vois, tout ce que tu décris, je suis sûre, même les lecteurs, ils vont se dire, mais attends, mais on se reconnaît tous dans la folie, quoi. Bah ouais, parce qu'à un moment donné, on se croit fou parce qu'on ne rentre plus sous des normes. C'est cette frontière, en fait, il n'y a pas longtemps, c'est Marie-Jeanne qui avait envoyé un mail où elle parlait de la frontière, Enfin, moi, ça m'avait interpellé parce que justement, au Pays Basque, il y a cette histoire de frontière qui, au lieu d'être une séparation, c'est un endroit de rencontre. Et là, nous, on est ça. C'est-à-dire, moi, je me sens comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est à cette frontière, cet espace, cette interface. L'île des faisans, des faisances, où ils viennent faire et discuter les nouvelles règles. Les nouvelles règles entre les habitants des deux endroits, des deux parties, côté de la frontière espagnole et française. Mais déjà, avant, c'était quand même une frontière en sens, un endroit qui désignait un lieu par une séparation, mais un endroit du coup qui venait une réunion, c'était une rivière, donc forcément, évidemment, ça a séparé géographiquement. Mais en fait, chacun avait un intérêt à aller de l'autre côté. En fait, c'était pour gérer aussi les Pyrénées, les versants pour les bergers, les différents versants des Pyrénées. Enfin, donc, ils trouvaient un endroit pour se retrouver qui était neutre. Quoi, voilà. C'est ça, dans la symbolique, c'est pas mal parce que du coup, c'est comme s'il y avait deux dimensions ou densités. Et il y a la rivière, donc le fleuve à franchir, pour le fleuve de la mort. Oui, le fleuve mythique des morts. Et il y a ce fleuve à traverser, mais en fait, au milieu, il y a une île. Et du coup, ces deux dimensions peuvent se retrouver et justement se comprendre l'une l'autre. Et quelque part, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que nous, on sort un peu de cette dimension-là. Eux, quelque part, nous, dans le futur, ou les SDS, ils viennent chevaucher cette dimension-là pour justement trouver... transmettre des informations. Oui, c'est notre but de marcher sur le fil des rasoirs. Tu vois, on y est, elle fonctionne parce qu'on y est. Funambule. En fait, c'est la voie du milieu, la voie du sérieux, ce que tu veux, le fil des rasoirs, c'est ça. De toute façon, ça demande de sortir de toute peur. Si on reste dans la peur, on est toujours dans la boîte. Donc, ça demande vraiment à accepter ce que la 3D nomme la folie. Parce qu'en fait, de quoi on a peur? On a juste peur toujours en gros. C'est toujours en lien avec le regard des autres. La plus grosse expérimentation pour moi, plongée de but en blanc comme on est dedans, c'est l'aventure du Bézu. Et cette aventure de visite de mémoire d'inquisition et du coup d'acter dans la matière ce qui se passe à l'intérieur, même si on a l'impression de devenir fou ou que ça peut être jugé complètement fou depuis l'extérieur. Ça, pour moi, d'assumer ça jusqu'au bout, ça a été une initiation hyper forte. Parce que justement, il y avait ce cap de la folie. Et ça m'a suivi assez longtemps, même jusque encore dans l'écriture, où il y a eu ce truc d'auto-jugement, de dire mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Dans quelle histoire de fou je me suis embarquée? Et ça, je sais que c'est ma voix SDS qui me parle. Et en fait, de voir que cette histoire de fou, c'était justement un alignement. L'initiation, avec un grand I. Et donc, c'était un alignement radical à ce moment-là, avec justement cette part SDA qui doit assumer de sortir de ses programmes en actant quelque chose qui peut paraître mais complètement déraisonné par rapport à l'extérieur. On s'est fait passer pour des fous, nous. Puis encore, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme ça, quoi. C'est toujours d'actualité. C'est logique. Et c'est comme ça. Et en fait, aujourd'hui, la possibilité qu'on a, c'est d'intégrer ce qu'on appelle la folie. Parce que c'est juste un accès à un autre mode de pensée qui est qui va plus vers l'illimité que le limité.
Donc, c'est traverser le voile et revenir, traverser le voile et revenir. Ouais. C'est ça. Donc à la limite, ben, c'est un cadeau qu'on vit. C'est pour ça que dernièrement, en fait, je touchais, enfin, on touche des peurs essentielles. Et justement, là où m'a aidé, donc comme dit, en fait, le côté SDS, on crée toute une expérience pour vivre des trucs. Et c'est vrai que ça, c'est là que je me suis dit que le côté, le pire, entre guillemets, enfin, vraiment de manipulation, de trucs sombres, ben, si je le regardais, ça me montrait mes propres peurs et la façon dont en fait je m'étais mis dans une doctrine, enfin dans une dans un moule avec pour pas sortir du truc avec toutes les peurs autour et dernièrement moi c'est vrai que ça m'avait touché des peurs profondes, là, c'est les outils d'évaluation de Fortin et de Sekalogiro, l'autre hypnothérapeute. Parce que, en fait, je voyais qu'ils touchaient, vraiment, ils se mettent à la limite. Mmh. Et oui, en fait, là où tu peux avoir toutes les peurs, en fait, de quitter le moule où on ne sait plus où on va, de l'inconnu, et ils se mettaient en gardien. Même si vous voulez, là il y a la première limite, et eux ils se mettaient encore en arrière. Tu vois, là on peut encore s'être échappé, mais là ils te récupèrent avec leurs histoires. Bon, en parlant des reptiliens, finalement, en fait, une façon de faire, de récupérer en dirigeant le truc quand même assez nettement. Là il y a les reptiliens, il faut que, bon, voilà, maintenant allez hop, et il faut quand même que tu fasses ton. Bon, j'exagère un peu, mais. Il faut que tu dises non au pacte, etc. Donc en fait, hop, tu retournes dans le truc. Oui. Et en fait, moi, là-dedans, je ne sais pas comment expliquer ça, en fait. En fait, je sentais que ça touchait une peur et que, en fait, je pouvais avoir le choix de bon, même en ayant ma peur de sortir du truc. Et en me disant, ah oui, eux, en fait, ils veulent me garder dedans, quoi. Et, ils veulent te reparquer. Ils veulent me reparquer, tu vois. Et chanter que c'était juste à la frontière, comme ça. Et c'est logique, hein. Ouais. Tu vois, en fait, et c'est vrai que, du coup, je trouvais ça hyper, hyper sombre. Je me disais, mais en fait, là, ils sont à l'endroit... C'est parce que hyper... c'est très, très subtil, en fait. C'est pour ça que c'est... Bah, c'est hyper... C'est hyper... Donc ça faisait peur, tu vois. Mm-hmm. Et après, du coup, le choix, c'était de regarder mes peurs. Eh oui. Et donc, j'ai regardé ça, j'ai dit, ouais, putain, d'où ça vient cette peur profonde. Et donc, on est revenu, puis là, ça me donne des autres indices avec tout ce qu'on vient de dire sur la folie. Mm-hmm. Et c'est vrai que du coup, moi, je leur aurais mis aux deux, là. Tu vois, noir, que, deux boules noires, ouais, en évaluation. Pas quand même, mais... Tu vois, enfin, j'aurais descendu le camp parce que je chantais vraiment quelque chose de sombre. De sombre. De sombre. Mais, pour dire ça, c'est comme ça. Mais, on peut le prendre parce que moi, ça m'a servi. Ouais, qu'est-ce que c'est? Et maintenant, ça me donne une force, tu vois. Oui, ça te donne, tu vois, ça t'a donné une pulsion. Il y a toujours la dynamique. Donc, c'est ce que je veux dire. Tu vois, quand tu es dans cet état-là, tu es face à quoi? C'est-à-dire que, si je prends les hypnothérapeutes oui. Je t'ai dit tout à l'heure, la psychiatrie, le monde psychiatrique, c'est le monde qui est le plus possédé. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est un monde par lequel les entités SDS ils sont le plus efficaces. Mm-hmm. Parce qu'en fait, la psychiatrie, c'est la dernière barrière vers entre guillemets, la folie. Avant de basculer. Mais la folie, c'est quoi? C'est un autre monde. Mm-hmm. Donc en fait, ils ont pris le rôle des gardiens du seuil, mm-hmm. si tu veux. En fait, c'est la dernière barrière qui nous empêche de passer dans un autre monde, sa psychiatrie. Mmh. Donc c'est logique que, en fait, quand tu as peur, la peur du psychiatre, c'est carrément une peur, parce qu'une peur de base. Tous les gens, ils ont peur de la psychiatrie, parce qu'ils ont qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qu'il va trouver dans mon inconscient, etc. Mmh. Mmh. Donc ça veut bien dire que, en fait, ces gens-là, ils ont accès, enfin, ils n'ont pas accès consciemment, mais ils sont... Ça serait un peu comme dans ce que tu dis, des
un peu comme il y a le purgatoire, il y a des gens qui vont dire oh là c'est pas bien, voilà. Tu vois, enfin qui sont là pour te juger. Mais eux ils savent pas ça, savent pas parce que ils ont pas la conscience. Ils pensent qu'ils ont la science psychiatrique infuse. En fait, ils sont des spécialistes de la psychiatrie. Ils peuvent pas entendre ce qu'on dit là. Ben non, parce qu'eux ils restent dans une phase scientifique conventionnelle. Mais il y a quand même des gens qui nous contactent, des psychiatres qui nous contactent pour dire vous avez peut-être raison. En fait, qui s'ouvrent, je fais un résumé, qui s'ouvrent, en fait, qui savent que le monde psychiatrique dans lequel ils travaillent, ils savent qu'il y a quelque chose qui cloche. Et donc, moi, j'ai travaillé de l'autre côté, en fait, de la barrière. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans un monde. J'étais infirmière en psychiatrie pendant un certain temps, surtout pendant les stages. Et tu vois, pendant ces stages, j'ai rencontré. Comme j'étais stagiaire à l'époque, ben il pouvait plus parler avec un stagiaire qu'avec quelqu'un qui était de l'établissement, tu vois. Donc ils avaient peur des médecins. Donc ils faisaient le moins possible de conneries. Attends, de qui tu parles ? Les patients, ils avaient peur des médecins. Les patients, et donc ils faisaient, ils restaient sages dans leur coin, ils disaient rien, quoi. Ils se referment sur eux-mêmes, tu comprends ? Et c'est en fait juste dans leur plus profond déni qu'ils arrivaient à retrouver la liberté, parce qu'à partir du moment qu'ils étaient dans le déni de tout ce qui y est arrivé, ils disaient simplement bah, j'ai dû rêver, ou je sais pas quoi. Tu vois, là, on leur offrait la possibilité de ressortir, vous êtes guéri. Puisque tu n'as plus de vision, tu n'as plus, voilà, tu es guéri, tu peux retourner dans le monde. Donc, par rapport au lien qu'on fait, c'est-à-dire que nous, de voir l'importance de toucher cette frange, cette folie, le fil du rasoir, comme on disait, c'est ça qui nous fait expérimenter, à savoir, donc on balance d'un côté, de l'autre, machin, mais on avance. Et ben, ce que tu dis là, c'est non, le fil du rasoir, c'est interdit. Du coup, c'est vraiment ça, c'est l'expérience où tu dois toucher la limite, et ben elle est interdite, quoi. Oui, c'est ça. Il est important, c'est en fait la psychiatrie, il devrait comprendre que ces mondes existent. Tu vois, notre travail ici, donc les gens qui nous entendent, je sais qu'il y a de plus en plus de psychiatres qui nous écoutent, ben s'ils savaient. En fait, il y a une autre solution que d'interner les gens. En fait, de leur expliquer ce monde qui pense imaginaire, qu'il existe, qu'il est réel, tu vois. Ça pourrait aider beaucoup de monde. En fait, nous, on parle de nos expériences. Ça éviterait de nombreux suicides. Nous, on parle de nos expériences. Et même, c'est fou, ils sont même justement les portes entre ces mondes qui nous apportent des informations. Ils ont même un rôle... C'est important de dire que nous-mêmes, on parle de nos expériences. Et en fait, on n'est pas fou, parce qu'on a compris ce qu'il y a derrière. Tu comprends ? En fait, c'est important de comprendre que ce monde existe. Et ce n'est pas les psychiatres qui vont nous attendre de nous dire que ce monde existe. Ni les autorités, ils ne peuvent pas nous dire. Ouais. Et effectivement, c'est en train d'émerger. Si tu vas sur Internet, tu vois partout. En fait, les phénomènes d'abduction, il y en a partout. Tu comprends ? Les gens, ils commencent à parler sur notre... Nous, on a des retours, des gens qui sont abductés de plus en plus. Tu comprends ? En fait, ça veut dire que c'est important que les gens, ils ont tout simplement conscience. Là, je vais encore aborder un autre sujet. Deux choses que je vais aborder. Donc, en fait, ces abductions continuent actuellement aujourd'hui. Donc, on était allé sur un autre sujet, mais je reviens à l'abduction parce que c'est important. Et donc, juste un détail. Et avant que tu partes, je voulais juste confirmer ce que tu disais, parce que les amis qui étaient... dans les hôpitaux, ils entendaient des voix ou ils avaient des visions. Ils comprenaient les relations énergétiques entre les gens. Ils voyaient des combinaisons. Et bon, comme ils n'avaient pas les mots et les connaissances, donc évidemment, et puis toujours par rapport aux repères du cadre, ils ne savaient pas comment trop faire avec ça. Et puis donc ils avaient une attente affective importante, enfin comme tous les humains en fait. Et du coup, en fait, quand ils parlaient de tout ça, qu'ils entendaient des voix, qu'ils voyaient, ben effectivement, comme tu disais, plus ils racontaient de choses, plus on leur donnait des doses de médicaments importants. Et effectivement... Jusqu'à ce qu'ils se taisent. Voilà, exactement. Et quand c'était fini, ben, exactement ce que tu as dit, en fait, c'était progressif ou quoi, hôpital de jour, des fois, tu vois, ils restent que la journée et ils peuvent rentrer chez eux la nuit. Ça me fait juste comprendre, en fait, pourquoi ma hantise de la camisole, en fait, c'est l'histoire du déni, c'est-à-dire que camisole de force ou camisole chimique, et le déni qui est une autre camisole, quoi, qui dit non, mais ça existe. Et en fait, c'est celle-là qui me touche le plus. Eh bien, évidemment. Donc je reviens à l'histoire des abductions.
Ça m'est arrivé il y a quelques jours. Donc, non, ça fait une semaine, pas à peu près. Donc, je me réveille. Donc, je peux vous dire que ça existe, c'est en nos plans. Et c'est physique, des fois, on a les traces physiques. Souvent, la médecine ne sait pas ce que c'est une abduction. Ils n'y pensent même pas. Donc, forcément, il y a des gens qui vont voir le médecin. Ils se réveillent le matin. Ah, j'ai un bobola, qu'est-ce que c'est ça? En fait, il y a plein de. J'ai un bobola. Oui. C'est-à-dire que tu as plein, tu as des signes. Donc, qu'est-ce qui m'est arrivé un matin? Il n'y a pas longtemps, je me réveille le matin et ça me juste parle. Après mon rêve, hein. On fait la même nuit. Le fameux rêve sandwich. Oui. Ça, c'est le rêve sandwich. Donc, ce matin-là, je me réveille et sur mes testicules, j'ai trois points. Comme ça, en triangle. À droite. C'est-à-dire trois points de rougeur. Exactement symétrique. C'est vaccination. Pour l'instant, trois points. Okay. Aucune déduction. Voilà, trois points. Premier jour, picotait un petit peu, voilà. Et au niveau du gland, j'avais une trace, une toute fine trace, comme ça, une rayure, en fait, une fente, une déchirure. Une déchirure droite. Tu vois, pas cicatricielle ou accidentelle, c'est une déchirure droite. Et donc, comme j'ai fait de la chirurgie, je sais à quoi ça correspond. En fait, j'ai compris maintenant, parce que comment on parle. En fait, la fente, la sur-prépuce, c'est la trace que laisse une pincette Hudson quand on tire sur la peau. Une pincette Hudson, je vais te montrer, je vais la chercher. On va voir une séance. C'est pédagogique. Ah non, mais on a mis des choses, ça nuit pas. Hein. Oui. Et qu'est-ce que vous faites de vos journées? Mais venez chez nous. Une pincette Hudson, c'est ça. Ça veut dire c'est comme une petite. C'est une pince accrochée. Oui. Il y a deux grilles de ce côté et une seule, donc qui rentre dedans. Et quand tu prends la peau, tchac, ça fait une trace. Comme ça. Ça veut dire que, et on utilisait ça pour faire la chirurgie. Et donc quand on pince la peau, ça fait une trace. C'est-à-dire que ça déchire la peau de façon linéaire. Et il est venu chercher cet instrument. Mais on le montrera sur Internet. Je le montrerai sur Internet. Voilà, c'est comme ça, on a les deux versions, la sienne et la tienne. Voilà. Donc je montre aussi. En fait, ça veut dire que c'est la trace que laisse un genre d'instrument. Et en fait, donc les deux, trois points symétriques, le deuxième jour, en fait, j'ai commencé à avoir une croûte, chaque fois au milieu. Donc ça pourrait aussi être une petite piqûre d'insectes ou d'araignée, quoi que ce soit. Mais sur les testicules. Ça veut dire que, on avait changé le drap juste le jour, la veille. Oui. Donc les draps étaient frais, je veux dire. Il n'y a pas d'araignée à ce moment, c'est en plein hiver. Il n'y a aucune raison que ça m'arrive. Donc j'ai bien vu qu'au milieu de ces points rouges, il y avait chaque fois une petite croûte. Ça correspond à quoi? À une piqûre, avec un truc très fin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des prélèvements de testicules. Enfin, pas de testicules, de sperme. Du liquide spermatozoïde. Bon, en fait, ils font des prélèvements, et ils l'utilisent. Bon, moi, je ne sais pas ce qu'ils font exactement avec, mais ils en ont besoin. Ou ils étudient quelque chose. Donc, ils font des prélèvements pendant la nuit, pendant qu'on dort. Donc, c'est un spermatozoïde plus un ovule, ça donnerait quoi? Peut-être. Des mini-loulous. Peut-être. Donc, ça veut dire que, y a, tout simplement, aujourd'hui, il y a toujours encore des abductions. Parce que les deux mondes observent l'évolution de l'humain. Comment? Ils observent ce qui se passe sur Terre. En fait, ils cherchent, donc le monde SDS cherche à comprendre ce qui se passe en face. Tu comprends? Et c'est, le monde SDS, ce sont. Oui, sur ceux qui ont pris notre orientation. Voilà. Ils savent que l'humanité est en train de changer d'orientation. Et en fait, c'est le même principe qu'à l'époque où les Homo sapiens, ou les Homo erectus sont devenus des Homo sapiens. Ben, une partie des Anunnaki ne comprenaient pas ce qui arrivait et en fait ils rejetaient la faute à Enki. Tu vois, en fait, voilà. Effectivement, c'était lui. C'était son clan en fait qui a fait des manipulations. Qui a rajouté des choses voilà, à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est pareil. C'est-à-dire que le clan, entre guillemets, le clan SDA. Oui, c'est en train de préparer une nouvelle humanité. Quoi. Le clan SDA est en train de trafiquer la génétique de l'humain. Peut-être déjà à la base. De réveiller celle que Enki avait déjà. Oui, en fait, de l'épigénétique. Voilà, des êtres Sirius. C'est-à-dire que c'était Enki, c'était donc un être christique, hein, qui portait le gène Christos. Donc ce gène-là, il est en train d'être réactivé. Donc les SDS, ils essaient de comprendre comment pourquoi est-ce qu'ils se réactivent. Tu vois, leur intérêt des SDS, c'est pas de lutter contre, mais de comprendre comment faire. Pour arriver, comment dire,
de leur propre vivant à arriver dans un monde SDA. Parce qu'en fait, ça ne marche pas. Il n'y a que les âmes et tout qui sont arrivés avec leur corps physique de rentrer en SDA. Après seulement, que c'est arrivé, plus tard seulement dans l'évolution, mais je ne sais pas à quel moment, certains jeunes labos ont réussi à monter en SDA. Mm-hmm. Et aujourd'hui, c'est l'humanité qui monte en SDA. Et pourquoi les en fait, il y a la possibilité de monter en SDA. Ouais. Et pourquoi les jeunes labos, ils sont arrivés à un certain moment à aller en SDA? Parce que l'humain, par lequel ils sont passés, il a réussi. C'est-à-dire que quand on réussit notre transformation génétique aujourd'hui, notre passé se transforme aussi. Mm-hmm. Donc notre passé, ton exemple, puisque en fait on sait maintenant que tu étais Gina Boule, enfin, sur truc, c'est-à-dire que tu as fait ton travail intérieur aujourd'hui, ben en fait, ton passé Gina Boule, si tu veux, ben, il se transforme. Il transforme Gina Boule. En même temps qu'on modifie le futur, on modifie le passé. On modifie tout en fait. Mm-hmm. Voilà. Donc ça veut dire que en fait aujourd'hui certains génaboules sont parvenus en cinquième dimension SDA. Comment? Parce qu'on fait le travail sur notre humanité aujourd'hui. Et donc ça c'est important à comprendre. Et donc on est supervisé, c'est-à-dire que les cinquième la quatrième dimension, elle observe comment l'humanité évolue. C'est la version des anges gardiens par les abductions. Ah ben exactement. En fait. Mais quelque part, on peut dire que c'est une autre partie de nous-mêmes qui est futur. Oui. On est coaché par d'autres nous-mêmes. Dans l'étalement des lignes du temps, etc. Oui. En fait, elles sont en train de communiquer, enfin de nous avec aider. Nous, oui. Enfin, c'est le film qu'on a vu, il illustre super bien ça. L'astronome là qui part et qui du coup a un espace-temps différent. Interstellar. Ah, oui, ouais. C'est ça. Oui, c'est ça. Ah ouais, il est génial ce film. Il aide sa fille dans le futur. Tout à fait. C'est ça, ouais. Depuis le futur. Quoi. Et donc en fait c'est bien, ça illustre, on voit sa fille qui croit que c'est, elle l'appelle son fantôme, enfin un être de lumière qui vient l'aider. Puis en fait on se rend compte que comme l'espace-temps il est décalé. Quand lui il part dans l'espace, finalement c'est lui qui vient interagir avec elle dans le passé pour essayer de changer le futur. Quoi. Mais c'est super bien fait. Enfin, tu sais, les gens qui font ce genre de film, on en a regardé dernièrement, pas mal de séries. Ah oui, de à ce moment, hein. On est. Mais en fait, tu vois, c'est pas l'épisode ou le film en lui-même qui est important. C'est juste ce qui se passe en arrière-plan. Parce que même le réalisateur de ce film, il a son inconscient qui parle à travers le film. Mmh. Le réalisateur et tous les gens qui jouent dans le film. Hein. Bien sûr. C'est pas le film en lui-même, mais c'est son inconscient qui a. C'est le message qui est là. Les artistes, c'est comme ça qu'ils font passer les choses. Et effectivement, les artistes, c'est ce genre de personnes, donc les réalisateurs de ce qu'on est en train de voir, ils donnent des messages. Des messages. Des messages à l'humanité. Mais ils ne peuvent les décoder que ceux qui ont la connaissance pour décoder. Mmh. Tu comprends? Oui. Si tu mets un gars de 3D pour regarder des films, il se passe, tu arrives à gagner. Enfin, c'est un content. Super film de science-fiction. Il va prendre part, ou bien pour l'un camp, ou un camp ou l'autre. Oui, il va prendre le parti. Il va s'identifier. Il y a toujours des méchants, des bons et des méchants dans le film, tu vois. Et forcément, ou bien généralement les gens qui regardent le film, ils préfèrent se rallier au camp des bons dans le film. Mais le camp des méchants, là, ils aimeraient bien les casser la gueule, tu vois. Mm. Voilà. En fait, ça réveille des réflexes qui chez nous qui sont inconscients. Mm. Tu comprends? Aujourd'hui, je peux regarder. Tu vois, ce genre de film, il y a quelques années, à l'époque où j'étais dans ma conscience et des endormis, j'étais conscient. J'aimais bien voir ces films parce que je pouvais casser la gueule aux méchants. Il y avait une défouloir. C'est pour ça qu'il y en a qui vont à des corridas. Voilà, par exemple. Et là, il y a la série, regardez. Donc maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Avec la conscience que j'ai aujourd'hui, je peux comprendre pourquoi certaines personnes jouent les méchants et je peux comprendre pourquoi certaines personnes jouent les gentils. En fait, le méchant n'est pas plus méchant qu'un gentil et un gentil n'est pas plus méchant qu'un méchant. C'est ça, les changements de croyances, ils font qu'on voit à la fois nos rêves différemment, à la fois la réalité autour de nous différemment, à la fois les films différemment. Enfin, comme la conscience elle change, on voit tout ce système de symboles avec beaucoup plus de recul qu'on ne voyait pas avant. Quoi. Et donc la réalité, bon, pour l'instant on voit les films, mais en fait la réalité de notre monde est en train de changer de la même façon. Parce que les films ils prédisent clairement. C'est des prédictions, mais c'est vrai, en fait ce qui se passe dans les films, ça se passe quelque part dans notre monde aujourd'hui. Mm-hmm. Tu vois?
Donc, bah, bon, on est orienté, hein, de toute façon. Hein. Encore, tu voulais dire quelque chose parce non, que... non, mais c'était pour te dire où t'en étais, enfin, si t'avais... Genre, bon, pour terminer les abductions, en fait. Donc ça, j'ai compris aujourd'hui. Ah non, mais c'est pas fini. Moi non plus, pas fini. Bon, il y en a encore pour...